Manette qui ne marche pas, comment cela se fait-il? Oh putain, il fallait un problème pour le début de ce live. Alors, comment faire pour configurer ce truc? Putain. Deux petites secondes. Alors, faut aller où? Configuration. Contrôleur. Device. Trustmaster. Appliquer. Ok. Est-ce que je suis bon? Putain, fait chier. On va faire un reset. On va charger la save. Et normalement, je suis bon. Je dis bien normalement, attention. Allez, voilà, fini le tour, répare ton truc là. Putain, toujours pas? T'es sérieux? Ah, d'accord. J'ai un souci de manette, génial, j'aurais dû tester ça avant. Parfait. Putain de merde. Alors, tac tac tac. Il faut que je le foute ailleurs. C'est bon, hein. Le problème va être réglé. Fait chier. Attendez. Putain. Alors, contrôleur, Trustmaster, ouais, c'est ça. Type. Normal pad. C'est bon. Normalement, c'est censé marcher, hein. Pourquoi ça ne marche pas, je ne sais pas. Quel merdier, mais putain, quel merdier. Deux petites secondes. J'aurais pas dû débrancher ma manette l'autre fois, j'avais plus de port USB, il fallait que je mette autre chose. Hop. Et bordel. Ah c'est bon, ça marche, yes. Enfin on a réussi. Ok, donc je remets ça au milieu. C'est très bizarre, hein, tu sais pas pourquoi. J'ai changé de port, ça a marché. J'avais un port USB 2.0, ça marchait pas. Là je l'ai mis sur le 1.0, ça a marché. Voilà, comme ça vous saurez. Donc faut pas que je dépense trop de fuel. Je vais faire des attaques classiques. On va faire du carré. Parce qu'avec carré ça devrait suffire. Normalement. Ah non, merde, putain, mais je voulais attaquer la machine, pas lui. Je voulais attaquer la machine. Alors. Essayer de finir cette séquence, ça a l'air un peu chiant. Il y a peut-être un boss à la fin, je ne sais pas. Défonce-le, s'il te plaît. Toujours pas. Putain, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire que triangle. Yoshiro. Ouais, ça m'a un peu saoulé, j'ai eu un petit souci là, le live commence mal. Hein. J'ai eu un souci de manette qui était pas reconnu, donc j'ai passé 5 minutes encore une fois là. Devoir la régler. Non mais c'est tout, je veux juste faire ça. Donc non, ça utilise mon fuel à chaque tour. J'aurais dû continuer à attaquer. Bon, essaie de faire gaffe avec le fuel parce que ça casse les couilles quand même. S'il te plaît, meurs. Putain, mais meurs! J'ai pas envie de faire deux combos pour ta tronche, quoi. C'est tout, c'est bon. Top. Voilà, bravo. Donc là, on va combattre avec triangle pour ceux qui sont à pied. Voilà. Sachant qu'on peut pas regagner notre fuel hors combat, si j'ai bien compris. Ce qui est extrêmement chiant. Sachant que le fuel c'est quand même le nerf de la guerre, hein, quand tu combats en Gears. Et un petit level, non même pas. Non. Bon, pour l'instant c'est une ligne droite, on va continuer d'avancer. De toute façon il n'y a pas de porte je pense ici, hein, sur les côtés, inutile que je check. Ah quoi que, attends. Attends, là il y a un truc à gauche. Je vais quand même save. Est-ce que je peux utiliser un truc qui me redonne tous mes HP sur une truc de save? Item. Je pense pas que je puisse me redonner mon fuel. Hein. Merde, je me suis bourré. Est-ce qu'on peut se redonner le fuel aux bornes de sauvegarde? Ça, tu t'en rappelles ou pas? La bonne question du jour. Tente. Équipe. Bah, je vais utiliser ça. Bon, on va tenter la tente. Ah bah non, c'est que quand t'es à pied, ça.
Et du coup, ça sert à rien, puis j'ai tout full. Drive HP, HP maximum. Non, ça c'est à pied également. Y a que avec les robots. Ah merde. Ok, je cherche pas. Bah écoute, tout ce que je vais faire, c'est sauvegarder. C'est dommage ça, parce que en fait, je suis baisé là. Enfin, concrètement, si j'ai plus de fuel, qu'est-ce que je dois faire? Soit je suis game over et je retourne à la dernière save, soit. Mais celui qui. Par exemple, si je sauvegarde en ayant plus de fuel. Plus de fuel. Putain, je sais pas ce que j'ai dit. Si je sauvegarde d'ici en ayant plus de fuel à mes gears, concrètement, comment on fait? Est-ce que la sauvegarde du jeu est baisée? Concrètement, comment faire? Est-ce qu'on doit refaire tout le jeu ou. Ou alors il va se passer quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être que le jeu va comprendre qu'on est dans la merde et qu'il va se mettre à nous aider. J'y crois peu à ce que je dis, mais. Est-ce qu'on peut fuir? Dégager. Ah, mais non, de toute façon, j'espère qu'il y aura le robot pas loin. Donc, on va attaquer avec croix. Ah, faudrait peut-être que je fasse des combos là. Il y a toujours de quoi se recharger le fuel quelque part. Bon. Ah, si le jeu est bien fait, tant mieux alors. En attendant, je vais. Putain, c'est pas ce que je voulais faire, bordel. Essayer de venir à bout de celui du bas. T'as plus de fuel, etc. Bah, tu retournes en arrière, toi. Ouais, mais si tu retournes en arrière, t'as des combats aléatoires. Donc logiquement, tu vas perdre ton fuel petit à petit. Et tu pourras pas retourner en arrière vu que tu vas te faire défoncer par les ennemis. C'est ça que je veux te dire. J'ai pas compris le délire. Tirer plus. Ouais, avec du 500 ça passe. Hein. Ils meurent, je crois qu'ils ont environ 500 HP. Ouais, on va essayer de défoncer celui-là avec un double impact. Bah t'échappes en boucle les combats. Ouais mais il y a un pourcentage de chance de fuir et admettons que tu puisses pas fuir tout. C'est. Tu vois, t'es au bout d'un moment je pense que t'es baisé quoi. T'es pas obligé de combattre les ennemis. Mais admettons que par exemple j'essaie de fuir avec les trois personnages et que les trois ratent leur fuite. Bah ils vont me faire avoir au bout d'un moment. Allez un tir et puis. Peut-être que je vais chercher loin, hein, mais je pense qu'il y a toujours moyen de se faire avoir hein, dans ce genre de situation, ce genre de configuration. Donc là, tu vois, en plus, il y a des combats aléatoires très rapidement. Là, j'ai même pas fait une seconde que. En plus, c'est un ennemi nouveau, un shinobi. Shinobi mécanique. Bah, tant pis, tu escapes en boucle. Bah, ok. Sachant que c'est pas une science exacte, mais pourquoi pas. En plus, il s'enfuit. J'ai envie de le buter celui-là parce qu'on l'a pas. On l'a pas combattu jusqu'ici et peut-être qu'il va nous donner un truc sympa. À part si tu gères vraiment très mal ton fuel et que tu esquives jamais les combats, c'est sûr que tu le feras niquer. Ah, parce que pour toi, dans tous les combats aléatoires, là, il faut que j'en évite. Par exemple, celui-là, il faut que je me barre en fait. J'ai quand même envie de le combattre. Mais. On va voir ce que ça donne. De toute façon, j'imagine qu'on va finir par tomber sur le robot qui te recharge. Et si c'est pas le cas, franchement, me retaper toute la séquence pour ça, je te le dis, je vais rager. Là, je suis déjà à 1400 de fuel seulement pour Heimdall. Ce qui est pas non plus dégueulasse, mais ce qui est pas ouf. Heureusement, on gagne des petits levels. Avancer. Droite ou gauche? Oula, j'ai vu un truc là. Ah bah tiens, un coffre. Coffre. 02 cylinder. Ah, est-ce qu'on peut changer nos parties là? 02 cylinder. On va aller voir ce que c'est. Donc on a dit equip. 02 cylinder, ça peut être dans quoi? Old circuit. Ah, beam coat, je crois que c'était bien. Dégâts des lasers diminués. Le frame, restaure 30% de tes frames HP, c'est pas mal. Reste le circuit. Les trois quarts des gens ayant fait le jeu te disent. Le jeu est pas difficile quand t'as compris comment gérer ton fuel. Bah moi j'ai compris comment ça fonctionnait, le problème c'est que je sais pas jusqu'à quand la séquence va durer. Apparemment elle va pas durer si longtemps que ça, on en avait discuté je crois toi et moi. Ah 0,2 cylinder, increase agility. Ah l'agilité dans l'eau? Est-ce qu'on va aller dans l'eau avec les gears? Est-ce qu'il va y avoir des combats sous-marins? Pour l'instant ça me diminue grave mes stats. Hein. Le hold circuit, est-ce que j'ai pas moyen de. Ça baisse mon attaque. Ah! Resp circuit. Ah, bah c'est beaucoup mieux. Est-ce qu'on le met sur Heimdall? Ether def.
Est-ce qu'on le met sur Heimdall? Qui va avoir 20. Non, 30 du coup. Ouais, 30, c'est ça. Alors 30 en response. Les autres, ils sont. Ah ouais, d'accord. Vierge, elle a que 5. Mais la response, c'est quoi? C'est les contre-attaques, c'est quoi? Je sais pas. Bon, écoute, on va commencer comme. Du coup, on va essayer de mettre des trucs à vierge. C'est bizarre de dire ça, mais j'y peux rien. C'est comme ça. Donc ça, on va pas le changer. Beam Jammer. Ah, Beam Jammer. Quoi, si je mets rien, ça augmente mon agilité? Extra AR. Ah bah oui, on va mettre ça. Extra AR1. Protection des caméras damage. Ah merci. Caméra damage, je me rappelle un peu de quoi ça, à quoi ça sert. C'est la précision, je crois. Extra AR1, ça m'a l'air cool. Ah, la défense. Extra AR2, je mets ça direct. Ah bah non, je mets le 3. Extra AR3. D'accord, ok, les attaques de statue qui te font. J'ai envie de mettre le. Attends, le hold circuit. J'augmente la response et l'agilité ou le... Non, la défense, hein. La défense. Très important, là je suis à 65 de def, 75. Celui qui a le moins de def, c'est qui? C'est Heimdall. Du coup, est-ce que je peux lui mettre un truc qui augmente sa def? Pas l'impression. Bon, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Ok, on se casse. Du coup, c'est de l'autre côté. En espérant qu'on tombe sur le robot dans pas longtemps. Je vais essayer de fuir. Hein. Je vais quand même. Ah, un nouveau en plus avec une lance. J'aime bien parce que les ennemis sont quand même pas mal diversifiés. Il y en a. On croise pas toujours les mêmes. Mais j'ai quand même envie de me barrer. On va tenter. Ouais, c'est bon. On a réussi à fuir. On va quand même économiser un minimum le fuel, faut pas déconner. Je gagnerai des levels plus tard, hein, quand je serai en zone un peu plus. Peut-être sur la map, hein, simplement. La map extérieure. Ok. Bah, ils ont décidé de me mettre un petit combat avant d'ouvrir la porte, c'est pas grave. Ah, là, il y en a trois, bah, je vais me barrer. Je vais me barrer parce que je sens que c'est le combat où tu vas. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas que je m'enfuis. S'il vous plaît, laissez-moi fuir. Je vais y rester. Non. Ah, c'est bon, j'ai réussi. J'ai peut-être perdu un peu de HP, mais tant pis. Au moins, j'ai gardé mon fuel. C'est ça qui est important. Je pense que la séquence devrait finir bientôt. J'espère. J'imagine qu'on va conserver quand même un minimum de fuel pour éventuellement combattre un boss. À quoi va ressembler le boss? Ça, je me pose la question. Non. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est des mobs normaux, ça, je crois. Je me demande si on peut les fuir, sachant que c'est scripté. Je suis pas sûr qu'on puisse fuir. Hein. Ah non, ah bah non, je viens d'avoir ma réponse. Ah bah si. Ah bah non, escape à gauche. Non, non, on peut pas fuir. D'accord, c'est bien ce que je pensais. Donc on va attaquer, on va faire j'en sais rien, moi. C'est du triangle. Ouais, ça va économiser un minimum le fuel. Le temps qu'on charge l'attaque level pour faire un combo juste après. On va faire comme ça. Je pense que c'est le mieux à faire. Faire des petits triangles. Et ensuite, lors du second tour, on va. Heureusement que j'ai raté. Lors du second tour, on va faire un petit combo. Alors, Ellie, déjà, est-ce qu'elle a un bon combo? Je ne sais plus. Le double impact, je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal. 463, ça va. Ça permet de le détruire. Ensuite, toi, je crois que t'as un. Voilà, répu, c'est très sympa ça. Et du 500, je crois, à peu près. Combien? Ah, 620, ouais, ça. Bon, ça va, on n'est pas à la niveau catastrophique, niveau fuel. Comme je l'ai dit, j'imagine que le robot qui nous recharge va arriver. Air triangle pour charger le attack level, ouais. J'ai fini par comprendre. Par contre, est-ce que tu peux me dire où faut aller à gauche? Ouais, mais je peux pas aller à gauche. Ah non, 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 d'accord. Ok, fallait juste passer les trucs. Évidemment, on se fait attaquer petit à petit. Hein. Je pense que c'est le but, hein. C'est une chaîne de mobs qui nous attaque pour nous affaiblir. Voilà, jusqu'à arriver au boss. Y compris 70% du gameplay, sans troller, merci. Sachant que les 30% que j'ai pas compris, est-ce que ça va arriver plus tard? Parce que dans beaucoup de jeux, notamment les RPG, bah, tu fais Xenoblade en ce moment, bah les tutos vont jusqu'à la fin du jeu parfois, donc c'est compliqué. Donc, bah oui, on va faire du triangle, on va répéter la technique.
Ouais, de toute façon, les unités à pied, on s'en occupe pas pour l'instant. Je pense pas que ça va nous faire énormément de dégâts, de toute façon. J'aime bien le style hein, des ennemis avec la lance. Hein. Atamoto M4. Oh putain, 257, tu rigoles ou quoi? Ok. Ah bah du coup, est-ce que Citan il va charger en son attaque level 1 là? Vu qu'il charge beaucoup plus vite que les autres, c'est toi qui me l'as dit ça, je l'avais pas remarqué. Citan recharge beaucoup plus vite, c'est combo, enfin c'est Deathblow que les autres. Ouais bah c'est ça, regarde là, il est tout de suite en attaque level. Non, pas les ennemis à pied on a dit. On a dit les autres. Bref, on va faire un double. Ah bah non, c'était Ellie ça. Ça c'est Ellie. Je pense qu'il est... Ah non, il est pas mort, merde. Citan... En espérant que le deuxième soit mort. Parce qu'on fait du 620 et quelques. 515. Ah non, merde, je pensais faire plus. Ah, du coup, je pense qu'une attaque normale devrait venir à bout des Gears en lance. Là. Je vais faire carré. On devrait passer 105. Ah non, même pas. Putain, les enfoirés. Ah non, ils se soignent en plus. Va falloir que je fasse un combo, je pense. Je pense qu'on va, on va leur refaire un combo. Ah putain, ah non, en plus ils... Ah ils sont 4 à réparer, en fait leur but c'est uniquement ça. J'aurais dû y penser plus tôt. J'ai été naïf là. On va refaire du triangle. J'ai été naïf. Parce que j'ai envie de les buter tout de suite, on va être tranquille. Ouais. J'aurais dû faire ça dès le début en fait. J'aurais dû buter les petites... Je les ai sous-estimés les unités de merde, mais en fait j'avais pas anticipé le fait qu'ils se mettent à soigner comme ça. On va pas prendre de risques. C'est bien parce que t'arrives, tu les écrases, hein, tu leur mets un coup de main. Hop. Et ça dégage. Quoi? Il a résisté celui-là? T'es sérieux? Comment il a pu résister? Ah, t'es connant? Ah là, tu l'écrases, c'est bon, il meurt direct. Ah, ils nous font quand même souffrir ceux-là. Hein. Franchement, c'est peut-être parmi les derniers mobs à défoncer avant un éventuel boss. Mais c'est vrai que le coup des 4 unités derrière... Ça fait un double impact. Oh putain, il a même pas crevé en plus. Reste-y, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Du coup, on va lui faire une attaque carré classique, hein, je pense. Ouais. Carré, ça devrait suffire. Bah non. S'il est pas mort, c'est-à-dire que ça suffit pas. 70 pour un... Je le fais. Oh puis merde, je le fais. De toute façon, il y aura le robot bientôt. Je pense qu'il va nous soigner. Un petit level pour Ellie. Les HP max, c'est cool. Ah, sauf que les HP max, c'est pour Ellie, c'est pas pour le gear associé. Je pense pas. Ça serait trop beau, hein. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu un truc sur le côté là. Ah bah c'est ça. Ah bah c'était en fait ça. Voilà, fallait monter sur la plate. Quoi? Pourquoi je peux pas aller plus vite? J'ai essayé de dasher, j'ai pas réussi. Hein. J'ai fait exprès. Par exemple si je reviens là. Non, je peux pas. Je peux pas dasher. Pourtant on avait dit pour dasher, bah c'était la même touche. Hein. Ouais c'est ça, c'était la touche du dash, sauf qu'on pouvait rien faire. Là il y a que dalle, par contre j'ai vu un coffre. Ah non, c'est même pas un coffre. Il y a un truc derrière, c'est quoi ce machin? J'ai cru voir un truc au fond là. Ah bah c'est ça, ça. Ah je peux pas y... Ah il faut que je descende. Non mais si je descends mon gear et que je me fais défoncer, attaquer par des... Oh putain le risque de ouf. Déjà là on va se barrer, voilà. Mais du coup je suis obligé de descendre. On est d'accord. On le risque ou pas? On va prendre le risque. De toute façon je fais call gear en combat, au pire on a appris qu'on pouvait le faire. Donc, est-ce que si j'en fais descendre qu'un seul ça va? Ah non je vais tous les faire descendre, quoique. Bon, je vais en faire descendre 2 sur 3. Faire descendre Ellie peut-être. Je peux y aller. Je peux pas. Ah non. Rappelle-toi que tu peux call gear. Ouais, c'est ça. Je me rappelais, t'inquiète. Mais du coup,
Je dois faire descendre les trois, d'accord. Bon, au moins on apprend des trucs, y a pas de soucis. Y a aucun problème, c'est pas grave. C'est-à-dire que là, tout le monde est descendu, ce qui fait que j'y vais. Je vais choper le coffre. C'est un méga coffre. Ah, extra R3, par contre, je suis pas sûr que ça nous serve de souvenir. Je pourrais monter dedans. Faut que je retourne dans Gear. Que je fasse... C'est pas commun, quand même. Hein. Ok. Et donc, l'extra R bidule... Bon, je peux aller checker vite fait, mais... Je pense pas que ça nous serve. Faire equip. Là il est en AR3. Ah non! Bah si, ils sont tous en extra AR3 donc. S'il n'y a pas beaucoup de défense, on a dit que c'était MDAL. Si je le mets à la place de extra respond circuit ou. Non, hold circuit peut-être. Extra AR3. Mika, je me rappelle plus de ça. Mika, ça fait. Ah oui, les dommages électriques. Peut-être que le boss il a un truc comme ça. Simple circuit, increase response and defense. Et l'autre, ça fait quoi le haut de circuit? C'est pareil. Pareil. Bizarre, c'est la même chose. Extra R3. Ah, ma défense augmente. Et ma response, donc on a dit, tu m'as dit c'était la protection des caméras. Damage. Dans les attaques de statut qui te font rater les attaques. Oh, écoute, j'ai envie de me mettre extra R3. C'est peut-être un risque, c'est peut-être con ce que je fais, mais... Tant pis, c'est un choix. Il faut faire des choix dans la vie. Je vais faire comme ça. Donc je vais pas remonter sur la plateforme, évidemment. Je vais essayer de monter sur le truc, là. Je pense pas qu'il y ait grand-chose, non. J'hésite à faire une save. Ah, il y a deux portes. Non, quoique, attends. Vu qu'il y a que... Attends. Faut pas y aller, celle-là. Non, il y a que celle-là. Attends, je suis bloqué. Je suis bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça! C'est pas le. Qu'est-ce bordel? Ah, je l'ai mis à l'envers le tapis. Il fait que je vais aller dans l'autre sens. Monte, s'il te plaît. Ah, bon, il faut que j'active le. Faire les choses dans l'ordre. J'ai mis le tapis dans l'autre sens. Et du coup, je vais pouvoir aller là où je voyais tout à l'heure, mais je ne pouvais pas y aller. Voilà. Un petit combat. Qu'est-ce que je fais? Je fuis ou pas? Ah, je me barre. J'essaie de me barrer. Voilà. Bon, ça va, on arrive à bien fuir. Je pense que c'est quand même important de faire ça. Pour sauvegarder son fuel. Même si, quand même, au niveau du fuel, je pense que je suis bon. Parce que j'avais upgrade mes gears. C'est moi ou t'as encore changé la couleur de ton pseudo, Fier? Ou alors c'est automatique, je sais pas. Je sais pas du tout. Ah, là je suis encore bloqué pour aller en haut. Je vais devoir choper un interrupteur. Ça. Hein. Est-ce qu'il y a pas? Ouais, j'ai chopé un truc. Un petit coffre là. Ah, je kiffe les coffres. Moi je suis comme ça maintenant. Je... Non. Ah bah non. Attends. Un deuxième. Mais il servait à quoi du coup l'autre? Ah, c'était pour aller à l'envers. Ah, c'était pour retourner en arrière l'autre. L'autre c'était pour voilà. Au cas où on avait des problèmes. Mais bon, on avance nous, on est comme ça. Voilà, c'est cool, on avance. Alors. J'imagine qu'il y a encore une séquence avec des. Ah non 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 non, attends, si je tombe là. Je crois que c'était à une séquence où on était tout à l'heure, là où on avançait dans le grand hangar. Du coup, faut pas tomber, faut pas se faire niquer. Je pense que ça, la tentation, ça aurait été de sauter, mais non. Non, 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 non. On va faire gaffe. C'est un peu comme le coup de la grotte. Ah, tiens, en plus, t'as un machin de sauvegarde ici. Donc là, il faut aller dans le petit truc du milieu. Il est dans quel sens? J'arrive pas à voir. Ah, bah, il va dans mon sens. Du coup, il faut que je l'active encore une fois. Mais avant de l'activer, on va sauvegarder. Bon bah on save, hein. Je pense que je suis... Est-ce qu'on fait une autre sauvegarde? Je sais pas. Je sais pas combien tu peux faire de sauvegarde sur le... Du moins sur l'émulateur. Imagine à l'infini tant que tu peux... Non, copie. Pourquoi copie? Pourquoi copie? J'ai peur là.
peut pas faire sur une autre save. J'ai envie de garder mes autres saves. 24. Là je suis dans le désert de désespoir et là je suis dans la cave stalactite. Bah non, je vais faire là. Hein. Copy this file to the memory card in slot 2. Ah. Non. Attends, qu'est-ce qu'ils me font là? Qu'est-ce qu'ils me font? Je veux juste sauvegarder normalement. Je veux pas que... Ah bah non. Ah, j'étais pas dessus exactement, c'est ça? C'est pas ça? Du coup, je fais save normal. Ah, c'est beaucoup mieux, bah oui. Ok. C'est beaucoup mieux. Allez, allez. Du coup, trouver le petit... Bah, il est là. C'est pas ça, le... avec ses caméras. On a un petit combat. Là, je suis sûr qu'il y avait un petit coffre pas loin. Ah, par contre là c'est le combat, genre hors de question que je reste. Me barre s'il vous plaît, par contre si... S'il vous plaît, yes. Troisième c'est la bonne. Essayez de faire tourner la caméra pour voir s'il n'y a pas un petit coffre dans le coin là-bas, genre au fond. Bien caché, il y en a pas un. Non. Et ils me permettent d'y aller, yes. C'est bon, parce que par contre j'ai vu deux autres interrupteurs de l'autre côté, je sais pas si c'était utile. Oula, ça y est, on rentre dans un grand couloir, c'est scripté, je peux plus bouger. Ça sent le boss. J'espère qu'il y a le gear qui va nous remettre notre fuel, ça serait cool. Si c'est pas le cas, c'est ultra sadique. Genre on doit composer avec ce qui nous reste. Sachant que j'ai quand même sauvé un petit peu le coup en fuyant plein de combats. Ah, donc là je peux descendre en me mettant à pied. Oula. Il se passe quelque chose. Et un boss, ça y est. Ça y est. C'est un boss. La musique des boss. Ça va, je suis bien au niveau des... Ouais, on va faire du tri hein, pour commencer. On va faire ça. Ok, on va charger nos combos. On va faire ça avec tous les persos. Fils 6. Cool, on a esquivé. Ça, c'est plutôt le bon plan. Ensuite, on va faire un petit combo avec Ellie. Le double impact. Elle est sympa cette musique de combat, elle est pas non plus très dynamique je trouve, mais elle est sympa. Parti. Alors je vais demander à Clarisse si elle passe. Ok, je viens de lui dire. Mais j'ai l'impression que je fais tout le temps les mêmes death blows, enfin les mêmes combos en Gears. Mais parce qu'ils sont efficaces en fait, hein. Je les aime bien et puis... ceux qui font le plus de dégâts. Est-ce que... Ah non, faut que je sois en attaque level 2 pour faire un combo avec carré, c'est ça. Du coup, je vais charger. Essayer de faire plus mal. On va essayer de continuer à charger et de faire le combo plus tard. C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, je vais charger en attaque level 2. Et une fois que je suis en attaque level 2, je ferai des death blows avec le carré. J'espère qu'on peut. Ah merde, il a augmenté son attaque. Sachant que moi, j'ai le Samson machin, mais qui augmente l'attaque. Voilà, Samson's Air, mais c'est que à pied. C'est que quand on est à pied. Je vais pas me faire avoir deux fois. Attaquer simplement. Voilà, je vais rester en attaque le level. Je vais pas utiliser mon combo. Alors on va reculer. On va essayer de faire ça. Tiens. Ah, il me fait quand même 613. Hein. Aïe 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 aïe. Ellie, elle a souffert. Ça charge pas énormément, attends. Je vais essayer de regarder où je suis là. Je suis au niveau de l'espèce d'interrupteur à gauche de l'écran. Avec Faye. Voir ce que ça donne.
Et Ellie, elle charge pas très vite. Hein. On va checker. Citan, il est déjà en attaque level 2. C'est ce que tu disais, en fait. Il est... Voilà, le Shinrai. On va voir combien ça fait. Ça fait beaucoup. 500... Ah, c'est pas non plus ouf, hein. Comparé à l'autre, ça vaut peut-être pas le coup d'attendre jusqu'au attaque level 2. Et du coup, je vais tester avec Fei. Avec le Hazan, tiens. 563. Oh, on est dans du 500, hein. C'est pas... Alors que si je fais une attaque de niveau 1, ça fait combien? Avec Ellie. Ah ouais, ça fait... Non, j'ai rien dit, en fait. Ça fait quasiment le double. Ça fait le double. Donc, faut voir si j'attends de charger... Ouais, ça, franchement, ça se vaut, hein. Je dirais que ça fait à peu près le même. Le rapport attente sur dégâts est globalement le même. Donc autant, dès qu'on peut attaquer, on va attaquer. Je pense qu'on va faire les combos de niveau 1. Hein. Ça devrait suffire. 800, il me fait. Ah ouais. Heureusement qu'on est 3. Hein. Tout seul, ça aurait été plus compliqué. Par exemple, là, avec Citan, je vais faire combien? 336, ouais. Ça vaut peut-être le coup d'attendre finalement de faire son attaque level 2. Putain, en plus ça me fait mal. Là, comme je peux me le permettre, j'ai assez de HP pour attendre, donc on va attendre, mais lors du prochain tour, je vais tout balancer, je pense. Voilà, là, on va faire du triangle. Ouais. Quoique, j'hésite. Le double impact, ça utilise combien de fuel? Je sais plus. On va le garder pour l'instant. J'avais plus 50. Non, on va le garder. Regardez notre fuel. Au prochain tour, on va balancer la sauce. Shift up. Ah merde, il nous remonte ses stats là. Et il va nous faire beaucoup plus mal. Il va falloir bourriner là, je pense qu'il va falloir tout balancer. Elite est seulement en attaque level 1. Allez, je prends le risque de faire encore un triangle. On verra au prochain. Ah, à 0. Je le fais 0. Bon bah, je vais attendre l'attaque level 2 pour lui faire des dégâts, sinon ça va être la merde. Là, je suis en attaque level 2, du coup je vais balancer un combo carré. En espérant que ça le fasse. Quoi? 314. Ah, je suis obligé de faire des combos pour le toucher, en fait. Du coup, avec Citan, on a beaucoup de HP, on va attendre un peu. Enfin, je suis en dessous des 1000 de fuel avec Citan. Putain, il augmente encore ses stats. Overheating. Ah, il est en surchauffe. Ah, je crois qu'il est... Du coup, comme il est en surchauffe, il a baissé ses stats, c'est pas ça? Attends un peu. Ah merde, mécanique, c'est pas pour soigner. Oh le bâtard. Il faut que je défonce ces poteaux là. Mais tout à l'heure, on avait vu que ces types là, triangle, ça suffisait pas. Il y en a un qui avait survécu, donc on va faire du carré. On va faire du carré sur ces types là. Carré, ça doit... Quoi? Je l'ai raté. Espèce d'enfoiré. Oh putain, 500. Mais t'es sérieux? T'es connerie. Défonce-le, s'il te plaît. Ah non, j'aurais dû buter un autre parce que lui... Oh putain, j'avais raison, il est pas mort. Oh, quel enfoiré. Quel bâtard. Allez, vas-y. Au grand mot, les grands remèdes. On va attaquer ceux qui sont censés attaquer bientôt. On va leur faire de la croix, tiens. Ah, désolé, mais voilà, 900 quelque chose. Je suis obligé, sinon l'autre, il va se soigner de ouf. Putain. Il va se soigner de ouf. Bon, heureusement que là, il m'attaque au lieu de soigner son pote. Je vais lui faire du croix. Je suis un peu moins serein que tout à l'heure, là. Putain, en plus... Mais il rate tout le temps Emdal, mais c'est une merde. Pas possible. Ah, putain, 500. Pas possible. Le mec, il va être full HP. Ouais, bah. Défonce-le, s'il te plaît. Putain, mais il est même pas mort. T'es sérieux, là? Je suis dans la merde. C'est quoi ce combat de merde? Beaucoup plus de chances de rater. Ouais, je me le suis dit un peu après, mais... Même le carré, ça les tue pas, les unités au sol, là. C'est ça qui me saoule, putain. Mais en plus, je suis sûr qu'il peut les rappeler quand il veut, d'autres ingénieurs, là. Allez, défonce-le. Emdal, déconne pas, là. Ah, putain, ouf. Il s'est soigné au moins 2000... Ah, encore. Non, c'est bon, j'ai cru qu'il allait soigner. Il s'est soigné au moins 2000 cooling down.
Quoi? Il s'est fait des dommages là? Ah non, il a. Oh putain, il défonce Ellie. Il est en train de défoncer Ellie. Mais je suis obligé d'attaquer ce à pied, sinon ils vont lui remettre 500. Ça a raté. Je lui ai fait carré, ça a raté. Voilà, c'est l'enfer. Là, ce combat, ça commence. C'est très mal parti, je te le dis. Et je ne peux pas faire grand chose. À part défoncer ses poteaux à pied. Voilà, j'ai au moins 2000 de dégâts à rattraper. C'est génial. Sachant que s'il rappelle des potes, ça va m'énerver. Le combat sera mort, je vous le dis. Hein. Le combat sera sûrement perdu. En plus, il me fait 507, c'est magnifique. Voilà, de toute façon, là, je vais faire mon combo vu que je suis presque mort. Ce combat de merde, putain. Heureusement que j'ai mon double combo là. Combo niveau 2. Allez, beaucoup de dégâts, ça serait cool. Pff, 700. 700, c'est infime comparé à ce qui s'est soigné. Ah, c'est la merde. Il va me faire super mal, j'imagine. Non, ça va encore. Mais le fuel, ça va, mais maintenant, c'est les HP. Et surtout, s'il rappelle ses potes, c'est ça le problème. Non, non, je vais charger mon attaque. Ouais, je vais charger. Là, il faut lui faire des gros dégâts. Faut shift up, il va augmenter quoi. Son attaque, défense aussi. En fait, tout. Speed, attaque, défense, génial. Ah non, je vais peut-être me charger en attaque. Est-ce que j'ai des combos attaque level 3 en Gears? Est-ce que tu sais ça ou pas, Shiro? J'ai un gros doute, je suis pas sûr de ça. Est-ce que je peux augmenter, mais je peux... augmenter jusqu'en attaque level 3 si j'en ai, mais je suis pas sûr de moi là. Je vais charger encore. De toute façon là je vais pas lui faire grand chose, il faut qu'il soit en cooling down, je vais attendre qu'il soit en cooling down avant de faire mes grosses attaques. Non, je vais taper dans le vent. J'ai pas de combo quand... Merde. Oh putain, je suis presque crevé avec Ellie, du coup on va... Bah je peux pas augmenter mes HP en Gears. Là, je vais bourriner. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Double impact, si tu veux. Espérant faire un peu mal. Pff, c'est de la merde, 200. 257, c'est de la merde. Mec, il s'est soigné 2000 HP tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça? Allez, tue-la, c'est bon. Ouais, j'ai compris. Tu voulais la tuer. C'est bon. Génial. Ah, magnifique. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Il a décidé de te défoncer un Gears. Un Gears, il le fait. Je suis peut-être pas assez au level. J'ai esquivé des combats. Hein, mais bon. Ça me casserait les couilles de perdre, je te cache pas. Hein. Surtout que là, j'ai pas pu y faire grand-chose. Le mec, il s'est soigné, je sais pas, plus de 2000, 3000 HP, je crois. Attends de booster la prochaine fois. Attends, j'ai pas encore perdu. Avec les 3. Je suis avec qui là? Je vais booster maintenant, tiens. C'est parti. Je vais essayer de booster avec Citan, en plus il m'a raté. Je vais booster, là c'est... plus trop le choix. On va charger encore. Putain, s'il rappelle ses potes, je rage quitte, je te le dis. Hein. Là, je pourrais absolument rien faire. S'il se soigne encore comme il a fait tout à l'heure, ce serait le boss cheaté par excellence. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Le mec, tu lui fais des dégâts, il se soigne. Bon. Allez, t'es en boost là avec un combo niveau 2, fais-lui du 700, stop. Quoi? 450? Oh putain, il est en défense up, c'est sûr. Ah, du coup je vais pas faire la même connerie, je vais faire du triangle. Ah, je vais garder quand il sera plus faible. Shift up. Ah, il peut plus là. Ah, il a encore augmenté sa défense. Génial. Parfait. Je vais faire que dalle. Il faut qu'il soit en cooling down là, quand toutes ses stats diminuent. Merde, je voulais pas faire ça, putain quel connard. Ah, overheating, c'est là où je balance.
C'est là où je balance. Faut balancer tout maintenant. On va tenter. Avec level 1. 555, c'est pas mal. Putain, je suis qu'en attaque level 1 là. Tant pis, je balance, rien à foutre. Je balance la sauce. 555. Ah yes, je l'ai. Putain, c'était tendu hein. Je suis déçu qu'Ellie elle soit crevée parce que elle va pas avoir l'expérience. 33 000 d'expérience. Je pense que je vais reprendre Rico. Hein. Ça me saoule, franchement ça me saoule. Ouais bah forcément les deux gagnent un level, voilà. Pas elle. Elle est punie. En plus tu peux même pas la soigner. Hein. C'est-à-dire que t'as même pas un... Tu l'as niqué sans booster quasiment. Problème c'est... Non, pas facile, je suis pas d'accord, parce que sauvegarder ses trois coéquipiers sans... Bah, c'est pas facile du tout, il suffit qu'il t'en snipe un des trois et tu peux absolument rien faire. Donc pas si facile que ça. Après, pour le battre, je pense que ça va, c'est pas dur. Mais s'il aurait rappelé des potes, non, c'était pas facile. Je pense qu'il pouvait tout à fait en rappeler. Pourquoi il y a un autre truc en bas? Est-ce que j'y vais? Ah, mais je peux pas y aller, c'est fermé. Ouais, c'est fermé. Du coup, on va aller par ici... Attends, on va activer ça. Non, il n'y a rien à activer, du coup on avance. Bon, ça va. Ah, ils te remettent un point de sauvegarde. Mais qu'est-ce qu'il fout, Hammer? Ah bah tiens, Hammer, il est là. J'allais demander ce qu'il fout, mais il est là. On se demande ce qu'il a fait. Enfin, il nous a pas dit ce qu'il... Il a dit qu'il nous rejoignait plus tard. Qu'est-ce qu'il a branlé, je ne sais pas. Si t'avais boosté avec les trois dès le début, il serait mort au moment où il avait appelé ses potes. Tu penses que la différence est aussi importante que ça? D'accord, je te fais confiance. Ouais. En plus, j'aurais tellement pu booster sachant que j'avais assez de fuel. Là c'est pas comme si j'avais plus de fuel, j'avais, je dirais, la moitié de mon fuel à peu près. Enfin, de tête, hein. Enfin, je me rappelle pas tout. Donc, qu'est-ce qu'ils ont construit? Une super machine. Il y a peut-être Clary qui va arriver bientôt, j'espère. Tabar, time, ATB, charge 2, 3 fois... Ah, c'est vrai ce que tu dis. Sachant que j'aurais eu des combos de ouf, j'aurais été attaque level 2 ou 3 rapidement. Tu lui aurais mis littéralement 2 fois plus de dégâts en 2 fois moins de temps. Mais j'aurais perdu 2 fois plus de fuel. Mais bon, après, qui sait, ça se trouve, j'aurais peut-être perdu beaucoup de fuel pour un des 3. Mais en effet, je peux pas te donner tort, c'est vrai que... C'est vrai qu'il faut penser à ça quand j'ai assez de fuel en boss, direct boost. Ouais. Mais à coup le pas, j'ai pas pensé à ça. Mais ça va, j'ai réussi. Bon, Ellie n'a pas eu les points d'expérience du combat, ça c'est un peu ce qui me fait chier. Tant pis, je fermerai. On verra si je fais du off ou pas. On verra plus tard. C'est pas très important. Il a la bougeotte Hammer là ou... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il branle? Ah, je suis con, fallait que je bouge. Putain, quel connard, je pensais qu'il allait nous préparer un mauvais plan ou un truc comme ça. Genre qu'il se dirige vers les persos en mode voler des trucs. En fait, c'est nous. Bah, qu'on se déplace. Putain, je me suis fait avoir. Concentre-toi, c'est important. T'inquiète pas, je me concentre, je vais juste sauvegarder. Mais avant de me sauvegarder, je sais pas ce que tu vois, ce que je vois à l'écran, mais je vois quelque chose qui me plaît pas du tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans les items. Un petit Omega Sol, j'en ai 16, hein. Va bourrer. Va bourrer pour toi. C'est tout, hein. Est-ce qu'on a autre chose? Une tente. Putain, j'aurais dû mettre la tente direct. Franchement, allez, je l'ai. Franchement, je l'utilise, j'en ai plein. On s'en fout. Drive HP. HP maximum, plus 20. Je vais l'utiliser maintenant, je sens qu'il y a un truc qui va se passer. On va les donner à qui? Citan, pourquoi il est pas dans notre équipe, bordel? Attends, on va les donner à ceux qui a le moins de HP, de défense. Allez voir ça.
Faye, il a 69 et en défense et terre, il a 23. Donc 69-23. Ellie. Quoi? 37. Bon, on va lui donner à Ellie. Hein. T'en penses quoi? Est-ce que c'est une erreur si je donne mes HP à Ellie? 65. Sais pas. Je vais les garder. Vais sauvegarder en attendant. Je vais les garder. Ce qui est peut-être une connerie. Je réfléchis pendant que je sauvegarde. Hein. Peut-être que je vais changer d'avis. J'ai envie de les donner à Faye. Mais non, Ellie, clairement, putain. J'ai pas quelque chose qui augmente ma défense pour Ellie, là. Parce que c'est littéralement la merde. J'ai rien qui augmente. Je crois qu'elle est juste sous level, en fait. Un tir. Ah, j'ai un truc qui augmente la défense. Stamina Ring. Ça diminue un peu la défense éther pour augmenter. Oh non, c'est pas ouf. Sachant que s'il y a un boss et que. Bah, je viens de combattre un boss, donc ça serait bizarre. Toc. Excusez-moi, mais non. Rien changé. Est-ce que je donne les trucs ou pas? Non, on va pas le faire. Je vais parler à Hammer. Frère. Ce truc est incroyable. Ensuite, Ellie. Ok. Rico. Ouh là là, il dit rien. On peut se casser. Pas un truc sur les côtés. Est-ce que je peux revenir en arrière? Non. Que je peux checker la borne? Non, il faut que je parle à Citan. Parti. Alors, elle arrive dans 30 minutes, Clary, elle a dit. Alors on y va, oui, en avant, toujours avancé. Parti. Allez, une petite scène épique, ça serait cool. C'est parti. Mais on a chopé quoi? On a chopé un vaisseau. Il s'appelle comment? C'est pas le Goliath, non? J'ai plus. J'arrive pas à comprendre dans quel vaisseau on est. En scène comme d'hab le Goliath, d'accord, merci pour ta confirmation. J'ai déjà vu ce symbole. Ouais. Oh, la musique, attends, on écoute. Ah, c'est le prototype que j'avais eu, oui, sur la table. Chez le Kaiser, là, je me rappelle. Énorme. Arrête, me dis pas que je pilote. Non. Pas arrivé, pas tout de suite, peut-être plus tard. Cool. Je suis pas ton frère, calme-toi. Je m'y ferai pas, franchement. Quelqu'un qui prend la confiance à ce point-là, alors qu'on sait même pas qui il est, d'où il vient. Je sais pas, moi dans la vie, j'accorde pas ma confiance aussi rapidement que ça. Je pense pas. Ah merde. Oh putain, c'est grave. Oh le bâtard. Le tracker de pouvoir. Quel bâtard. Mais on peut pas combattre avec le Goliath à moins qu'on tire des missiles. Comment tu veux faire pour te défendre? Ah d'accord, il sent. Bah ok, j'ai ma réponse. Il va régler les choses d'homme à homme. En espérant que Rico quand même l'aide, parce que tout seul, grave, je pense qu'il. Voilà, il est un peu puissant. Hein. Coucou, tu veux voir mon Gears? Ouais, c'est ça. C'est la surprise. Alors, est-ce que ça va être le moment où on va en découdre totalement? Ouais.
Ouais, j'imagine que c'est ça. On va peut-être pouvoir le tuer, potentiellement, ou se faire tuer. Ouais. Prends le bâtard. Alors, on fait ce qu'on veut, si on veut le prendre, on le prend. Hein. C'est vrai qu'il a un design... Enfin, sa tronche, il a un truc qui sort du nez, on dirait ça quand tu me l'as dit. Spécial, on dirait qu'il a une goutte qui sort du nez. En fait, c'est comme des... C'est sur ses mâchoires, je pense, sur les côtés. Attends. Stop. Arrête-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête-toi. Stop. Aïe. Ça fait mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Il est en train de nous violer. Il est en train de nous atomiser, littéralement. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on crève pas tout de suite. Hein. Il nous enlève la moitié de nos HP. Ok. Faut réfléchir dans l'ordre. Première chose, on a tout notre fuel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à booster? On a boosté avec Ellie. On a boosté avec Faye. Et on va booster avec Rico. Son Gears qui le regarde te défoncer les bras croisés. Ouais, c'est ça. Attends. On est d'accord, j'ai boosté avec avec Rico. Ah non, pas encore. C'est pour ça qu'il m'a fait mal. Il m'a fait très mal. Sinon... Quel bâtard. Bon, on va faire du tri. Attends. Mais... En fait, le type il nous défonce alors qu'il est hors de son gear. Genre à pied, comme l'autre là, ranclanclanc, le mec avec les cheveux rouges. Ne prends pas la tête. T'es gentil, mais je veux pas mourir. Bon, si tu dis ça, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'on va sûrement se faire en... Je vais rester poli. En fumée, on va dire. Je vais quand même booster, hein. Excuse-moi, mais on va prendre nos précautions. Ah mais je lui fais mal quand même. Attends. Ah mais... Je peux pas faire de combo. J'ai essayé de faire un combo et il a pas voulu. Je sais que cette merde. Ah t'es sérieux. Ah je peux pas faire de combo. Ouais ok. Je peux pas faire de combo. Je l'ai raté. Peut-être 176, c'est pas mal, mais j'imagine qu'il a beaucoup plus de HP que ça. Je l'écrase, j'aime bien. Alors voilà, déjà toi, adieu. Je pense que t'es mort. Aïe. Coup dur pour Rico. Désolé, mon pote, tu t'es bien battu. Mais on est tombé sur un gros molosse là. Bon bah Ellie, j'aimerais bien que tu survives. Au moins la seule femme présente ici qu'elle s'en sorte. C'est quand même pas mal, on lui fait du 769, mais ça ne suffira sans doute pas. Mais vu que je peux pas faire de combo, je fais du carré tout le temps parce que croix ça a beaucoup plus... Quoi? Ah d'accord, je l'ai mis sur le cul, il s'est assis. Qu'est-ce qu'il fait? Il va attaquer avec le Goliath? What the fuck? Quoi? C'est le garde Graf qui... Ah, il l'a fait tomber du Goliath? Je glisse. Qui s'est piloté MR? On sait pas. Ah c'est ça, ils ont fait glisser le gear de Graf. Qui est une très bonne opération. Sachant que déjà à pied il est balèze Graf, alors en gear j'imagine pas. Bien joué Citan, heureusement qu'on t'a dans notre équipe. Dans le cerveau de la bande.
tirer sur le... Quoi, le gear. Genre le gear, il peut... Non, il peut pas se déplacer tout seul. Ah bah si. Ah, tes conneries. Allez, Hammer, s'il te plaît, montre-nous que t'es vraiment un bon ami, que tu peux agir en toutes circonstances. Bien visé, de faire feu, sachant que depuis le début, on sait pas d'où il vient, donc c'est ça qui m'emmerde. Viser, oui, on avait bien dit ça. Est-ce que c'est moi qui vise? Non. Non, c'est lui qui vise. Allez, appuie. Oui, comme ça, bravo. C'est quand il se rapproche, ouais. Ah non, il était dessus, il était sur son gear, d'accord. Ok, il a réussi. Pas sûr que ça lui fasse quelque chose. Pas ton frère, bordel, arrête. What? Je save ou pas? Les HP, ça en est où? Ah ouais, d'accord, Rico. Oui, bah tu t'es fait. Rico, il s'est fait enfumer. Du coup, une tente. Ouais, c'est ça. Ça. Sauvegarder. Bon. J'imagine que c'est pas fini parce que ça avait l'air d'être un peu trop facile pour moi. C'est un leurre. C'est trop calme, j'aime pas trop beaucoup ça. Ok. Bon. Il ne m'a pas attaqué? Ah, j'ai même pas fait gaffe. Il a attaqué que Rico. Ah ouais, ça c'est une bonne remarque, bien vu. Insulté, a-t-il la peur? Pourquoi je me fais engueuler? C'est moi qui ai tout fait. Pauvre, la tête de turc du groupe. Il est méchant, Rico. C'est une brute. Alors. Ah, moi aussi. Bizarrement, je suis comme Fail. Je sais pas pourquoi. Bah, déjà, Graf, il est pas mort, c'est sûr et certain. On nous observe. Ah, il va revenir, sûr. 100%. Ah, mais il est au sol, du coup, il est à pied. Ah non, c'est quelqu'un d'autre, en fait. La mise en scène, je kiffe, putain. Bart, énorme! Yeah! Yes, 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 mon personnage préféré! Je savais qu'il était pas mort, je le savais, je le sentais. Alors, deux, pas besoin de te laisser aller. Qui c'est? C'est pas si. Non, c'est pas si dur. Tireur. Missile gun, Yanni. Allez, Bart, défonce-les, s'il te plaît. Défonce Graf, si tu le vois. Ah, il est encore là, yeah. Ah, c'est bon ça. Il y a aucun mort. Ah mais Sigurd il est où? Ah tes conneries, Sigurd il, ça se trouve il y est resté. Le vent en surface. Non, Sigurd je pense qu'il va revenir aussi. Comment il saute? Ah, maison, il est encore là. Et il est où Sigurd? Ah, il est là, yes. Yeah! C'est bon ça. Avec la musique derrière là.
Facepalm, avancer. Pourquoi facepalm? Explique-moi. Je ne comprends pas. Tout ce poste. Ok. Franchement, si tu me spoil la future mort d'un des deux que je me suis réjoui de retrouver, je te tue, Shiro. Alors, en tout cas, Sigurd s'il veut, mais pas Bart, le gros connard, tu sais. Ouais, putain, on verra. Bref, on verra. Coordonnées. Les missiles Bart. Putain, le type, il a des missiles à son nom quand même. Énorme. Musique. Oh putain. C'est ça les missiles Bart? Attends mec. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Mais quel connard. Qu'est-ce qu'il... Il y a un truc que j'ai pas compris là. J'espère que c'est pas ce que je crois. Juste quand il dit ça, putain, épique. Qu'est-ce que c'est que... Alors attends, soit Bart et tout ça ont cru qu'on était des ennemis. Ce qui est le cas, enfin je pense que c'est le cas. Hein. Ils nous auraient pas attaqué comme ça. Hein. C'est pas des fils de... Ah bordel. Bordel de merde. Ouais c'est ça. J'ai dû croire qu'on était des ennemis. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai compris, mais j'avais un doute. Mais je pensais qu'ils avaient un indice peut-être pour penser que c'était des... Je sais pas, genre... quelqu'un qui s'était échappé ou un truc comme ça, parce qu'ils ont eu... C'est tout à fait logique en fait qu'ils attaquent, ouais, c'est vrai, c'est tout à fait logique, y a pas de raison, y a pas de... Ils étaient pas du tout au courant de notre plan, ils savaient pas du tout qu'on allait s'enfuir avec ça. Donc c'est logique. Sachant que nos potes vont nous tuer, voilà, on va se faire tuer par nos potes. C'est énorme ce jeu, putain. Bart, c'est, bah, c'est ça, j'ai l'impression qu'il... C'est l'action avant la réflexion chez Bart. Ce qui est mon cas ou non, chacun en jugera. Ça dépend des situations. C'est pour ça le facepalm va avancer. Ah... Alors, bon, on va pas mourir, mais bon, le problème c'est qu'on va être en grosse difficulté. Je pense qu'on va... On va y laisser des plumes. Ah putain, Hammer, j'adore, il tourne sur lui-même. Qu'il est en train de paniquer sur place. Putain mais Hammer c'est tellement la tête de turc de Rico, putain. Il s'est trouvé quelqu'un à qui faire la fiesta. Il se défoule. Ah bah Citan il a dû reconnaître quand même le vaisseau. Ouais c'est ça. Les méthodes disciplinaires, c'est exactement ça, putain. Et Bart aussi, hein. Et pas que Sigurd, hein. Bon, heureusement que le Goliath, on l'a piqué et que c'est pas à nous à la base, mais quand même, on risque gros, là, attends. Surtout que le truc qu'il nous a envoyé, c'est pas un petit missile. Hein. En plus, il est content, lui. Ouais, yes, j'ai... Quel... Ah, bordel. Oh, l'animation du rire, ça m'a tellement fait penser au rire de certains persos 2D de FF6. Un peu le même... Il y a un air, voilà. C'est Sigurd qui a éduqué Bart pour qu'il... Ouais. Mais Bart, le problème, c'est qu'il applique sans... Voilà, il applique ce qu'il a appris, mais sans forcément avoir des réflexions derrière. C'est ça aussi son défaut. Le pouvoir du missile Bart.
Et quand tu vas apprendre que c'est Faye à l'intérieur. Ah, peut-être que tu vas l'apprendre maintenant. Mais comment tu pourrais faire sachant que le vaisseau il est hyper loin? Je ne sais pas. Bon, on a de la chance qu'il y ait de la flotte en dessous. Ah bah le truc est cool quand même, hein. Logique. Ah mais c'est pas le truc sous l'eau, nous. Il y avait des équipements qui marchaient bien sous l'eau, j'avais récolté ça. Fin de Xenly. Nous avons les coordonnées. Oh non, pas eux. Ils m'avaient pas manqué. Hein. Ramsus. Un gardien. Shevat, c'est pas le la ville où était censé se situer le père de Faye là? Enfin potentiellement. Je crois que c'est ça. Un gardien de porte? Ah, c'est pour faire la transition entre les cieux et la surface dans la porte? Un truc comme ça? Je sais pas. Ah putain, il s'est téléporté, c'est ça, il se téléporte lui. Quel enfoiré. AQV. Ah, c'est ça, il se téléporte. À moins que ce soit un hologramme, mais je pense pas. Graf, il a de l'influence quand même, il l'a fait changer d'avis. J'ai l'impression qu'il manipule beaucoup le Graf, hein. C'est vraiment un connard. Il a joué sur la susceptibilité de Ramsus. Parce qu'apparemment il a un décompte à régler. Ah bah avec Sigurd, c'est ça, putain. C'est ça, il a des comptes à régler avec Sigurd, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais. Putain, mais il met le hola à tout le monde lui ou quoi? Il met des stops à tous les persos. Le récipient. Qui il paye? Sigurd? Un des deux, j'imagine. C'est le vaisseau de Kar, ça? Je crois que c'est ça. Frontière entre les portes 1 et 2. Ils veulent aller à AQV, je sais pas du tout où c'est sur la map. Kelvena. Ah bon, on l'a pas défoncé, Domia, elle est pas morte, merde, je pensais qu'on l'avait tuée. Elle est plus résistante que ça. Aishao. Le nom d'un autre vaisseau. Ah putain, encore eux. Les anciens, donc. Bon, on dirait qu'ils sont en train de suivre ce qui se passe sur la surface, là. Ils sont en train de tout observer. Retrouver les reliques Anima. Ah, je m'en rappelle de ça. Ils parlaient d'excavation des reliques Animus. Ou Anima, je sais pas quoi. Animus, hein, je crois qu'ils disaient ça.
Non, Animus, c'est des personnes, je crois. Mais la relique Anima, il y avait une excavation de la part des gens de la surface qui étaient esclavagisés. Et il a pas suivi les ordres. Du coup, il va attaquer le... Sigurd, il veut se venger contre Sigurd qui a trahi le... Il s'est barré du régiment où il y avait à Solaris, hein, je crois. C'est ça, dans les cieux. Je crois que Sigurd, il en avait marre, il s'est barré, quoi. Et il a pas digéré la trahison, si je me souviens bien. On parle de Ramsus. Ok. On peut le faire à tout moment, j'arrive. T'as l'impression qu'ils ont une sorte de puissance indirecte, ou directe, je sais pas. Il, ah bah c'est Faye. Bah oui, il c'est forcément Faye, je vois pas. Ça peut pas être le Hammer là. Rico, je pense pas non plus. Citane, je pense pas non plus, je crois que c'est Faye. Hein. Depuis le début, il est bizarre le Faye là. Il a un double jeu, double je sais pas. Il a quelque chose en tout cas, une sorte de grand pouvoir ou un truc comme ça. Ok. Nigret. What the fuck? Le cube mémoire. Ils en ont parlé plusieurs fois, ça. Le cube mémoire. C'est pas le truc où... L'espèce d'ovni? Non, c'est une sphère, c'est pas un cube. Le facteur Animus. Genre autour de Faye, il y aurait ses potes qui ont le facteur Animus, genre Rico peut-être, ou Citane, ils ont le facteur Animus, je sais pas ce que c'est. C'est une sorte de pouvoir interne. Je sais pas. Suffradi, encore un nom différent. Le sujet du projet M. What the fuck? Coïncidence? Je ne pense pas. Attiré par, bon, selon moi, enfin selon mon hypothèse qui est peut-être fausse, Faye, attiré par Faye. Putain, mais il y a 500 ans, est-ce que t'étais encore vivant ou comment ça se passe? Tu peux pas avoir 500 ans à moins que tu sois pas humain, enfin. C'est vrai qu'ils ont eu des gueules de... Je peux en dire des cadavres, comme s'ils étaient morts. Je te l'avais dit en off, ça, je pensais que c'était comme s'ils étaient morts en fait. Et que... Et je t'avais fait la remarque qu'il y avait des écrans sur... Tu sais, la sphère au milieu, là. Il y a leurs écrans, genre, en fait, ils parlent... comme si c'était des hologrammes, des sortes d'âmes, tu vois. Genre qu'ils sont pas physiques. Comme si leur âme avait été sauvegardée dans un espèce de processus qui fait qu'ils peuvent voir à tout moment ce qui se passe avec leur écran. Dans le monde d'Ignas, t'as l'impression qu'ils savent tout ce qui se passe, en fait. Les moindres choses, ils voient tout. C'est comme des dieux, hein. J'ai l'impression que c'est des dieux. Je n'exclus pas la possibilité qu'il ait planifié. Mais qui il, bordel, Faye? Ou alors Ramsus, j'ai du mal à comprendre là. Transfert? Acuvi? Tames? Il y a trop de noms, putain. Krellian? Oh, mais c'est bon, là je suis. Ah, mon cerveau il a dit stop là. Krellian? Et qui c'est? On les a pas vus, putain. Ou alors ça se trouve, c'est les noms... le double nom de certains persos qu'on connaît. Par exemple, Citane, c'est Yuga. Ellie, c'est Elaim, je crois. Enfin, si j'ai bien suivi. Enfin, c'est mon hypothèse. Hein. Je crois qu'on ne l'a pas dit clairement. Quoique, je sais plus. Je crois que si, dans les premières parties, lors de la séquence dans la forêt avec Citane, bref. Le nom qui était style connotation allemande, hein. Bref. Krellian, du coup, ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Krellian, c'est mon perso préféré, au même titre qu'Ellie. Ouais, mais je sais pas qui c'est encore. On verra plus tard. Je pense qu'on le verra plus tard. J'imagine que c'est un mâle, un mec. Et du coup, Ellie, ce serait ton perso préféré féminin. Ils l'ont trouvé pendant plus de 400 ans. L'ancien Lex de Zeboïm. Putain, mais Zeboïm, c'est qui? Technologie dont il parlait.
l'empereur. Est-ce que c'est lui qui contrôle les anciens ou pas? Ou l'inverse? L'océan à Cuvie. Pendant 19 ans, l'église l'a gardé secrète. Technologie sous l'océan. Kane. On est dans FF4 là, ça y est. Je crois qu'il s'appelait Kane, hein, le chasseur de dragons là. Empereur Kane. Ah, c'est lui. Terre a tremblé. Comment ça parfois? Genre la plupart du temps tu peux lire ses pensées? Leur pouvoir c'est pas juste de voir ce qui se passe dans le monde, on dirait, c'est aussi lire les pensées des gens. Mais c'est quoi? C'est des dieux? C'est... J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Alors qui c'est qui dirige? Est-ce que c'est les anciens ou est-ce que c'est l'empereur? Ne deviez-vous pas l'éliminer? Mais tu parles de qui, bordel? Quelqu'un qu'on n'a pas vu, j'imagine. Elle a échoué grâce à nous, heureusement. Grâce à Ellie qui nous a aidés. Si elle n'était pas là, je pense que ça aurait été compliqué, voire impossible. Ah, c'est ça, les Animus, c'est des personnages en fait qui ont certains pouvoirs. Peut-être qu'ils peuvent se transformer, ou soit qui ont un pouvoir caché qui peut faire quelque chose de bien spécifique. Ils sont rassemblés. Ah, c'est ça, c'est peut-être que dans notre groupe, il y a plusieurs Animus dans notre groupe de entre guillemets, de héros. Je sais pas. Anonelb. Mais combien je suis censé retenir de noms différents là? C'est pas... C'est impossible. Avec une espèce de bruit. Comme une espèce d'éolienne ou une espèce de dynamo, un truc qui tourne en fond quoi. L'empereur, il aurait perdu l'émotion. Ok. Bordel, j'avais raison. J'avais raison. Nous sommes des dieux. C'est bien ce que je pensais. En même temps, savoir les pensées des gens et savoir tout ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas 36 000 personnes qui sachent faire ça. Et du coup, l'empereur, ça en est un aussi ou pas? Je ne sais pas, j'imagine. Bon, on a eu une réponse là, on a eu une des questions qu'on se posait. Cool. Dirigeali, qu'on craque. Bon, ça va, il est vivant.
Mais ils ont pas coulé? Bizarre. Tu peux répondre à la question, ils sont où les autres? Oui. Ok, tu peux le dire avant. Ah mais ils sont où? On va voir la réponse. Il les a pas éjectés dans une capsule spéciale ou un truc comme ça là? Ou alors c'est nous qui avons été éjectés. Ah mais c'est... C'est l'Yggdrasil, non? Je reconnais la salle là, avec le réacteur derrière nous sommes. À l'intérieur du... Ah bah j'avais raison, tiens, heureusement que je retiens bien les environnements. Équipage. Ah oui, c'est vrai qu'il faut tout lui apprendre à lui. Je vais dire à Claire qu'elle est en retard. Genre, il a fallu que je t'envoie un SMS pour que tu viennes tout de suite. Salut, heureux. Je sais pas, mais juste au moment où je te l'ai envoyé, t'es venu, donc la coïncidence est quand même intéressante. Merde, je voulais pas aller là. Je voulais peut-être augmenter les gears. Il y avait pas un truc par là, hein. Allez, que dalle. Alors, contrôle Titan, je crois que c'est la première fois depuis le début. Je crois. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Y'a rien. On va monter. Ah, est-ce que t'as des trucs à nous vendre? Il veut pas nous vendre des trucs. Ok, on se casse. On va save. Ça coûte rien. Bon, si t'as des questions, n'hésite pas, Clary. Je pourrais pas te répondre à tout parce que t'as raté une scène un petit peu épique, je sais pas si c'est le mot, mais importante, je dirais. Deux scènes importantes, même. Est-ce qu'on se barre ici? Tu penses pas plutôt qu'avec le flux internet et le délai d'envoi? Bah écoute. C'est vrai que t'es pas une rapide en général, non? Mais c'est vrai que ouais, c'est une coïncidence. Ou pas. Ou pas, comme tu dirais. On se casse. On est au courant. Mais du coup, Barty, je sais même plus où c'est sa cabine. Checker. J'ai essayé d'arrêter le jeune maître, genre. On parle à tout le monde, les dialogues ont changé depuis, hein, donc. C'est parti. Ah, ils connaissent Rico quand même. Non, non, tu fais ce que tu veux.
Alors, est-ce qu'il faut que je prenne l'ascenseur ou pas? Je crois que là il y a un truc par ici à faire. Tout le monde lui parle de ça. Ça c'est l'infirmière, c'est ça, non? Un peu bizarre d'ailleurs. Des blessures fraîches. Ah oui, c'est la psychopathe, c'est ça. Qui veut se peser à l'hérico? Poids idéal. Il m'a l'air un peu gros pourtant. Je se casse. La scène épique que t'as ratée. Laquelle? Il y en a eu plein. Hein. Que disons que t'as raté pas mal de live. Il y a une scène avec des anciens qui sont en fait des dieux. Et j'avais bien piffé d'ailleurs là-dessus, j'avais déduit leur rôle, même si j'étais pas censé vraiment savoir totalement ce qu'ils sont capables de faire, mais j'ai capté. J'arrive tout le temps quand ça blablate, ouais, pas de bol. Et t'as raté un ennemi qui est venu nous attaquer, qui s'appelle Graf. Et qu'on a... j'allais dire non, on l'a battu, enfin... Je suis certain qu'il est pas mort, enfin... De toute façon, on l'a vu, il était pas mort. Il reviendra. Mais on l'a dégagé pour un moment, du moins. Réserve aux dames. On peut aller tout droit, du coup. Ah merde, attends, je crois que c'est pas là qu'il faut aller. Non, on va prendre l'ascenseur plutôt. Avec ce hangar à Gears. Est-ce que je suis allé par ici? Non. Ah, quoique. Ah non, on n'y est pas allé là tout à l'heure, je crois. Ah, petit script. Ah non, on l'a déjà parlé tout à l'heure. Par contre... Attends. Où j'allais prendre l'ascenseur. C'était un gros méchant, j'imagine que oui. Il ressemblait à quoi? Il a une espèce de cape noire, il a une tête un peu bizarre, je sais pas, on dirait qu'il a un masque. Et c'est tout, hein. Il est très mystérieux, il se téléporte, on dirait qu'il peut aller... Il est très manipulateur, on dirait qu'il parle au personnage en mode il a une sorte de contrôle sur eux. Il sait appuyer sur les faiblesses, il sait appuyer là où il faut pour obtenir ce qu'il veut. Alors, on va aller voir par là. Attends... Ah bah, de toute façon il n'y a pas 3000 choix, je crois qu'on va rester là. Je vais aller parler au poteau autour déjà, pour voir si ça a changé. La navigation est plus facile. Mmh. Ok. Ah ça c'est Franz, je m'en rappelle. Ouais. Non merci. On écoutera les bruitages du jeu plus tard. Ok. Alors du coup on va parler à qui pour ne pas déclencher de script? On va parler au mec à droite là. Bingo. Tu veux, allez go. Ah ouais, ça on l'avait déjà vu. Si, Bart, c'est le blond à gauche. Bien vu, Clary. Tu t'en rappelles de ça, au moins. Et il y a son poteau Sigurd à droite. Enfin, son maître, enfin c'est lui qui lui a tout appris. Depuis que Bart est jeune, si j'ai bien suivi. Ok. Donc on va parler à qui en premier, est-ce qu'on va... Parler à Bart. Non, on va parler à Sigurd d'abord. Donc Yuga, c'est Sitan. T'as l'air de me demander pourquoi il a deux noms, je peux te répondre, mais je sais pas si t'es au courant. Sigurd, c'est lui, voilà. On est en train de lui parler, là, avec les cheveux blancs. Ah, il croit qu'ils sont morts, il n'a pas pu sauver Ellie et Faye. Ok, on déclenche le script.
Ricardo Banderas. Bon, on m'appelle Rico. Je viens de réaliser que tu contrôles plus. Ah oui, je contrôle Citan. Tout à fait. Ceux qui nous ont abattus et sauvés sont les mêmes. Bordel. Shiro, si tu veux expliquer rapidement à Claire, à Clary, ce qui s'est passé, mais en très résumé, tu peux, mais bon. Parce que c'est pas, elle peut avoir beaucoup de questions, je pense. Quoique t'as qu'à m'en poser aussi si tu veux, mais bon. C'est à toi de voir. Mais je vais sortir mon chien d'ici, je reviens dans 30 secondes, j'arrive. Vous avez rien dit depuis, vous êtes pas très bavard. Alors, le Goliath a été descendu par. Bah oui. Ah, merci pour ton petit résumé, Shiro. Je te laisse lire, du coup, Clary. Même moi, j'ai envie de le lire, tiens. Faye, Ellie, Citan, Rico et Hammer. Un autre perso qui. Oui, qui est à moitié humain, en fait. Non, oui, c'est ça, il est bipède, hein, il marche sur deux pieds, mais il est tout poilu comme une bête, tout simplement. On volait un vaisseau volant d'une nation où ils étaient emprisonnés. C'est qui se lève, voilà. Et tu vas me refaire la blague qui se couche. Ils se sont fait attaquer par Graf, donc le perso mystérieux et très noir, très sombre, avec un masque, durant leur évasion, en plein vol. Mais ils ont réussi à l'éjecter du vaisseau grâce à des. Voilà, Citan y pilotait et en bougeant, il a fait glisser le gear de Graf. Et Graf, hein, ils l'ont fait tomber. Mais c'est bizarre qu'il l'ait fait tomber parce que. Bah, Graf, il est pas censé se téléporter. Concrètement, s'il voulait se téléporter, il faisait ce qu'il voulait. Puis Bart a vu le vaisseau que Faye avait piqué. Ouais, sachant que Bart ne savait pas que Faye et ses potes avaient piqué un vaisseau ennemi pour s'enfuir d'un truc. Donc ils ont attaqué leurs potes, en fait. Et il les a pris pour des ennemis vu qu'ils étaient dans un vaisseau de la nation ennemie, tout à fait. Merci en tout cas pour ton résumé. Les missiles Bart sont démons. Il est trop con, putain. Qu'est-ce qu'il est con. Mais du coup, on est où? On a échoué sur une espèce de petit îlot là. Flottait bizarrement. J'ai l'impression que là, il s'en veut pas trop. Il était en mode ah, t'as vu les missiles que j'ai envoyés, trop fort. Du coup, ce bourrin a descendu le vaisseau volant. Ils ont réussi à sauver Citan, Rico Hammer. Mais Ellie et Faye sont coincés. Ah, c'est la carcasse du. Bah, du Goliath. Qui flotte, on dirait qu'il flotte encore. Hein. Encore heureux qu'elle flotte. Aucun moyen de pouvoir les faire sortir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de sauter là, Faye. The fuck? Reste là. J'ai pas compris ce qui se passait en bas là. Genre, il a chopé des poissons, c'est ça? Il essaye de les. C'est pas des poissons ça? Si oui, ça me fait penser un peu à la séquence de Legion of Time sur le radeau, pour ceux qui connaissent. Ah, les gars sont en dessous.
J'avais raison. Tu ne vois pas, j'essaie d'attraper. Oh putain, j'avais raison, c'est ça, génial. C'est d'attraper un poisson, il arrête pas de sauter, ouais. J'avais vu juste. Énorme petit saligaud. Je te vois, tu sais. Philippe, je sais où tu te caches. Ils sont coincés. Ah oui, ils sont en pleine mer là. Ils sont échoués. En fait, le Goliath s'est crashé suite au tir de Barthes. Là, c'est la carcasse du Goliath en fait. Ah bah. Putain, mais c'est tellement la scène de Legion of Time avec la princesse qui dit tu vas pas les tuer et les manger en parlant des poissons. Et c'est tellement la fée qui dit qu'on est obligé de les manger. C'est la même chose. Sauf que c'est beaucoup mieux fait hein, que. Bon, Legion of Time c'est en 2D donc c'est pas exactement la même. De toute façon, Ellie, elle va être obligée, hein. Si elle bouffe pas, je pense qu'elle va vite comprendre qu'elle va y rester. Ouf, petit poisson. Non, faut pas que je dise ça. Moi aussi, j'ai chassé des poissons par le passé. Que j'ai mangé, évidemment. Une fois dans l'estomac, tout se ressemble. Ce qui n'est pas faux. Non, c'est pas grave qui va venir, j'espère. Ah, ça serait la grosse merde pour eux. Ah non, c'est un ovni. C'est les anciens qui viennent choper Faye. Cette merde. Dans le désert. Ah, on avait vu ça aussi, dans le désert. Il y a plusieurs parties, il y a longtemps. Shevat. Ah, Shevat. C'est Solaris. Donc Solaris, c'est le truc où il y a le. Où ils forment des officiers dans les cieux, là. Et donc Shevat, c'est où est potentiellement le père de Faye, si j'ai bien retenu. C'est une espèce de ville. Mais du coup, dans les cieux, enfin dans le ciel, donc Solaris, ouais. Mais Shevat, c'est pas Solaris. Il y a beaucoup de noms différents pour les mêmes choses, en fait. Ah, Shevat, ouais, c'est pas Solaris, d'accord. Bref, c'est un truc dans les cieux, quoi. Ok. Ah, voilà, c'est ça. En fait, ils disent ce que je viens de dire. Clarisse, tu te souviens pas si je te. T'as pas compris, c'est que. Dans une partie précédente, on a vu un homme masqué qui nous a dit que son père était sûrement à Shevat. Une ville dans le ciel, ouais, y a ça. Ah, c'est une soucoupe d'ailleurs, ce serait dans cette soucoupe. Donc Shevat, c'est une soucoupe hein, volante que mon père et ma mère auraient vécu. Bah, du coup, j'imagine que un jour ou l'autre, on va devoir y aller. Hein. Peut-être que c'est le donjon final du jeu et on va découvrir le père de Faye là-bas, je sais pas. Ah, c'est un pays. Enfin, pays, soucoupe, c'est la même. Hors de portée de Solaris. Une barrière. Ah d'accord, un des moyens conventionnels, c'est pour ça qu'il parlait d'une porte spéciale qui mène de la surface aux cieux. Non mais du coup Barthes aussi il a vu Shevat. Je sais même pas s'il est au courant de ce que c'est. Ah il commence à regretter. Ah lui, il a plus l'habitude du désert, de ce que j'ai compris. La mer, c'est pas trop son délire. Peut-être qu'on va explorer une nouvelle zone sous la mer ou sur la mer, je ne sais pas.
C'est pour ça qu'il y avait des objets que j'ai récoltés il y a pas longtemps qui augmentaient je sais pas quoi dans la mer, sous la mer. Surtout il va y avoir des combats sous-marins. Peut-être que les Gears peuvent aller sous l'eau, je ne sais pas. Ça ferait penser beaucoup à Pacific Rim si c'est le cas. Présenter tes excuses, ouais, ça serait cool. Faut aller où, bordel? Je sais pas où faut aller. Merde, je crois que je suis allé au mauvais endroit. Je crois que tu... Ah, c'est bien, on dirige un peu tout le monde. On va aller voir Faye. Je sais même plus où c'est, putain. Faye, non. Rico et... Comment il s'appelle? Hammer. Mais non, putain, c'est pas par là. C'est grand aussi, hein. Tu te perds dans ce vaisseau. Je crois que je suis allé au mauvais endroit, non? Faut pas que je remonte. Il y a que nous pour mettre notre nom sur un missile, d'accord, c'est pour ça qu'il s'appelle le missile Bart. En plus, là où il y a tes potes, quoi. Lol, il est en train de nous descendre. Au hangar des Gears. Ah, merci. Merci de l'info, vieux. Heureusement qu'on t'a parlé. C'est parti, on y va. Je sais où c'est, du coup, c'est tout droit. On a bien fait de lui parler. Alors, on va faire le tour. C'est Brigandier. Ah mais merde, je me suis juste approché en fait et ça m'a mis le petit script. Ok, ils sont là. Ça c'est Emdal. Et comment il s'appelle le gear de Rico? J'ai oublié. On va peut-être pouvoir aller voir maintenant. Et ils sont où? C'est Stier, je crois qu'il s'appelle le gear de Rico. Mais où sont-ils? Je ne sais pas. Allez pote, vous... Ah, c'est pas lui là. Attends, je crois qu'il y a un petit renfoncement là. Tu peux pas me dire où sont mes potes, s'il te plaît? Exactement, on est perdu, putain. On se fait tellement troller. Ah bah tiens, j'ai trouvé. Bah y a que Citan. Attends, on va parler à lui d'abord. On peut acheter quand même. Ah, est-ce qu'on peut augmenter Engine? On va donner ça à qui? Mais attends, on l'a acheté pour qui? Pour Faye? What the fuck? Je sais pas à qui... De toute façon, là j'ai que... Ah non, je l'ai acheté pour Veltal. Donc là, Engine. Ouais, c'est ça. Du coup, on va mettre ça à tout le monde. Yes. Ensuite, Emdal. Yes. Ah, là, je suis en train d'augmenter les stats de mes Gears. Si t'as pas compris, cher Clary. Là, c'est les Gears de Bart. Il s'appelle Brigandier. Ça, c'est Stier, le Gear de Rico. Ah, c'est ça, je peux tout acheter. Heureusement que j'ai du pognon. Le fuel, est-ce qu'on est bon? Ah non. Non, pas du tout. Pas du tout. Se remettre le fuel. Ok. C'est très important le fuel. Ok. Donc après on va dans frame. T'augmente que le fuel. Bah c'est bien. Après on va faire le reste. Tu fais de la méca. Yes. Ensuite ça.
Hop. Bon, pour l'instant, j'ai du pognon, donc on y va. Hein. Là, j'augmente les HP. Hein. Là, je vais passer de 6400 à... On va voir combien. Ah non, ça, c'est pas besoin. 1400. Là, je passe de... Je suis à combien, là? Brigandier, je suis à 2700. On va passer à 6400. Ah ouais, quand même. Il y a une sacrée différence. Franchement, si tu le fais pas, comment tu peux réussir les prochains combats? C'est pas possible. Alors, Stia, il doit être en bas. Ah non, même pas. On peut pas augmenter le truc avec lui. Armor. Là, il y a deux trucs différents. Air value 200 sur Ether. Oula. Ether Air value 50. Et l'autre, Air value 250. Oula, par contre, je vais plus avoir de fric. La foot, je le fais quand même. T'inquiète, je vais faire le flou. Ça y est, j'ai retenu. Hein. Merci de le préciser, mais t'inquiète, là, j'ai. Je peux me faire avoir. Là, du coup, je peux en acheter qu'un autre pour. Je vais le mettre à Citan parce que Citan. Ah non, attends, elle a pas beaucoup de défense, je crois. Stan, il est pété. On va le mettre à la fille. C'est parti. Et du coup, on va se refueler tout le monde. Voilà. Toi, ensuite toi. Ensuite Hemdal. Ah non, lui il est au max. Ensuite toi. Et ensuite... Non, lui c'est bon je crois. Ouais. Ah, du coup, j'ai plus de pognon. Est-ce que je peux vendre des trucs? On va vendre des weapons. Ah non, ça je le garde parce que je les ai pas encore mis, je crois, le odd machin là. Quoique ça se vend quand même 2000. Hein. Elle est partie. Ah, extra air, je peux les vendre, ça se vend combien? 12 seulement, c'est de la merde. C'est trop pourri, mais en même temps, ça va me servir plus à rien. Non, les air, je peux les vendre. Hein. Je vais tout vendre. Je vais me faire combien? 96, c'est pourri, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ensuite, la AR1, je pense que je peux les vendre aussi. On va en vendre 7. Ah, je vais avoir assez de pognon là pour. All circuit. Qu'est-ce que je peux vendre déjà? Ah, je vais pas vendre n'importe quoi. Attends. Je vais essayer de racheter un truc. On avait dit quoi? Tune up. Ouais, c'est tune Hemdal. On a dit c'était armor. Ça coûte 6000. Ah bah je peux pour lui. Yes. Du coup j'ai augmenté quoi là? Ah j'ai pas augmenté les HP ni le fuel, d'accord, j'ai pas besoin d'augmenter mon fuel. Bon bah je pense qu'on est bon. Et du coup on va s'excuser, on va essayer de s'excuser auprès de Citan. C'est parti. D'avoir défoncé le vaisseau. Ah comment il a tellement du mal, ça lui écorche la gorge. Je suis vraiment désolé. Je suis un gros trou du cul. Il nous fait la morale, c'est logique. Musique de ouf, encore une fois. Ah, le blason de Shevat, donc la soucoupe volante. Ah, intéressant. Ce qui expliquerait pourquoi l'Yggdrasil est très résistant. Là, tu veux les rencontrer, mais ça se trouve, ils vont vouloir te tuer, donc fais gaffe, on sait pas qui c'est. Ouais, mais on cherche Riku, on sait pas où il est.
énorme. Bon, allez, il est où? On nous a dit le hangar, et le maison nous avait dit que les deux avaient été au hangar. Du coup, est-ce que j'ai raté un endroit? Il est peut-être... il y a peut-être des clans... Ah bah tiens. Ah non, je suis con. Je suis con, il... Ah, il est pas là. Il n'est pas là, ce qui fait qu'il est peut-être à son gear, il est peut-être parti essayer de regarder quelque chose, j'en sais rien. De lustrer sa machine. C'est une possibilité. On va aller là. Je pense que je peux pas aller là ici. J'imagine qu'il faut qu'on prenne l'ascenseur. Et qu'on aille en hauteur. Ou alors aller dans une chambre, j'en sais rien. Où es-tu, Poto Rico? L'Amiricoré, putain, il est où, il se cache? C'est cache-cache dans l'Hydrasil cette partie. Ah! Ah non, on peut pas y aller là. Ok. Bon bah y'a rien à faire, je vais retourner en arrière. C'est parti. Faut essayer de deviner où il est. C'est pas évident. On va checker ça l'une par une. Pas de Rico ici. De l'autre côté du coup. Pas ici, si tu veux. Quoi, c'est les chiottes. Deux secondes. Bon alors, il est caché où selon vous? Il est pas ici. Je sais plus où c'est la chambre de Fail. On va retourner voir le vieux, puisque c'est lui qui nous avait donné le tuyau. Ah merde, il va dire la même chose. Merde. Ok, j'ai compris. Ouais, stop, stop, stop. Ouais, c'est bon. Arrête de parler, s'il te plaît. Merci. C'est con qu'on puisse pas passer les boîtes de dialogue. Surtout quand on les a déjà lues. Bon, bah. Faut remonter. On reprend l'ascenseur. On va peut-être faire encore une petite heure avant de s'arrêter. Peut-être un peu moins, jusqu'à minuit, quoi. On va checker là avant de monter. Pas là, Rico. Ouais, on a compris. Bon, du coup, on va monter. C'est bien ce que je pensais. Il doit être à la salle de contrôle. Enfin, depuis le début, je le sentais, mais. N'ouvrez pas les. Je dis de la merde alors. Je dis de la merde. Il est caché où? Il est gros, on devra le voir. Ah si, il y a un endroit où je suis pas allé. On va aller voir. Et si c'est ça, c'est un peu con, mais bon. C'est-à-dire qu'il y aura un script qui s'est déclenché en cours de route. Que je sais même pas la chambre qu'ils lui ont donnée en fait. Il est pas là. Faut être patient. Hein. Ah, là il y en a un des. Je dois pas m'excuser auprès de toi. Ah si. Ouais.
Ok, chacun va attaquer Nissan. C'est tout. Ok. Bon, il est où Rico là? Je crois qu'il n'y a rien d'autre ici. Il est pas sur la grande table. Quoi, j'ai déclenché un script, c'est ça? J'ai déjà été ici, on est d'accord. Il y a une chambre au fond. Mais elle était fermée, c'est celle-là. Là. Cachée par la caméra. Mais au fond de quoi? Dites-moi, je ne sais pas. La salle où il y a maison, c'est ça? Parce qu'il y a un décalage avec le... Avec le... T'es sérieux? Tu veux dire en dessous? C'est débile, franchement c'est débile si c'est le cas. Il y a une salle par là, là. Oh, c'est tellement mal foutu. Oh là 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 là, c'est ultra mal foutu. Ok. Ouais, t'inquiète, j'ai vu. Avec le décalage, j'ai... Tu es déjà avant que tu le dises. Merci quand même. Bon, t'es où gros Rico là? Je vais pas te chercher pendant une heure. T'y es déjà allé dans cette salle? Mais écoute, avec le décalage, je sais pas de quoi tu parles, donc bon. C'est un peu compliqué. Du 17 pendant que je suis dans une autre, donc franchement comment tu veux que je comprenne. Non mais t'inquiète, je vais trouver hein. On va se prendre la tête, faut chercher. Juste être patient. C'est tout. Ça, c'est un chien qui dirige les commandes, on ne sait pas pourquoi. Ok. De la salle où t'es là. Ah non, ici j'y suis pas allé déjà. J'ai pas exploré du tout, hein, s'il y avait Rico ou quoi que ce soit. Donc tu dis de la merde, mon cher Chiro. Désolé. Je sais pas où il est. J'ai peut-être raté un dans le hangar, je pense. Il a parlé du hangar, l'autre con, là. Je vais checker par là. Ça se trouve, il y a un script qui s'est déclenché, je ne sais pas. Il est pas en hauteur là? Non. Palpitant. Ah, au début du jeu, oui, mais tu crois que j'ai retenu toutes les salles du jeu, toi? J'ai pas retenu cette salle, elle est cachée de base, donc. Salle cachée, je suis pas censé forcément tout retenir. Bon, il est où ce couillon là? Comment ça me saoulait? Ah, je crois que j'ai trouvé. En fait, il faut aller explorer la petite séquence comme ça où il y a le gear de Rico, c'est ça? Parce que là, je peux rentrer dans, entre guillemets, un petit écran où on zoome. Ouais, c'est ça, c'est ce que je pensais. Tu vois, à chaque fois que je dis la réponse, je vois après ton texte, tu donnes la réponse. Bah merci, mais bon, c'est ce que je venais de dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu le vois pas. C'est ça, c'est con, tu vois, c'est que tu le vois pas. Tu dois t'approcher derrière, la part derrière du truc. Voilà. Alors que tout à l'heure, je suis passé deux fois autour, hein, bon, si tu veux. Pourquoi pas, y a pas de souci. Ah mais parle mieux que ça, je suis pas ton pote. Il est intéressé par les gears, c'est pour ça qu'il reste.
Klein retourne avec Faye et Ellie. J'avais fait un parallèle avec Illusion of Time tout à l'heure, sur la scène du radeau. Et dans Illusion of Time, en fait, il y a une petite séquence où ils commencent à tomber amoureux, en fait, l'un et l'autre, la princesse et donc Will. Il s'appelle Will, hein, le héros principal de Illusion of Time. Et là, si ça nous fait le même coup, parce que tout à l'heure, j'ai fait plusieurs comparaisons avec les poissons, etc. Ce serait énorme que là, il y a une petite séquence où ils commencent à se rapprocher vraiment. De manière intéressante, si vous voyez ce que je veux dire. On verra bien. Je suis mauvais, le mec il a aidé plein de gens et tout. Et il dit je suis mauvais, mais ce serait pas toi, Shiro, par hasard, ce personnage? Est-ce que tu t'identifies un peu à Faye? Je veux savoir. Trop exigeant avec lui-même, un peu comme toi. Je voulais parce que je voulais qu'on ait besoin de moi. J'aurais peut-être un endroit où ça... Je vais rien dire, mais le texte qu'on est en train de lire, ça me... Voilà. Ça me rappelle quelque chose. Ce qui est un peu triste, mais... Et compréhensible. Je m'identifie énormément à Faye. Ah bah tiens. Bingo. Je disais pas de la merde. Pour plein d'autres raisons. Qui sont peut-être du spoil. Peut-être qu'on en apprendra encore plus. Enfin, de toute façon, on en parlera. Tous les deux. Ça veut dire que je veux pas aider, mais... Ça ne veut pas dire que je désire vraiment aider. Ah, ok. C'est l'alpha et l'oméga, c'est un peu tout et rien, ça. C'est un peu ça. Oula! Dans la déclaration, là. Bon, je vais rien dire, mais Shiro et moi, on avait parlé de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un qui avait dit certains trucs sur Twitter. Et j'avais appris un petit truc, voilà. Bon, je vais pas dire ce que c'est, mais ça m'a un peu... Voilà, c'est... Petit truc comme ça qui te gâche un peu le plaisir de la découverte. Mais c'était pas un gros spoil apparemment. Sans dire ce que c'était un petit truc qui aurait été sympa à découvrir dans le jeu. Mais du coup il y a un truc qui va se passer, je ne sais pas quand, et qui voilà, qui se passera à un moment ou à un autre. Je ne dis rien. Alors. Encore une fois, merci à la personne qui ne s'est pas retenue de balancer des énormités de spoil sur Twitter alors que... Encore une fois, ce jeu est quand même très très intéressant et je comprends pas comment on puisse ne pas se réfréner. Enfin bref. Limite, je préférais qu'on me foute un espèce de gros coup de poing dans la gueule, qu'on me spoil des gros jeux comme ça. Enfin, je pense que je l'encaisserais plus facilement. Le spoil, je trouve ça détestable, mais vraiment j'ai un gros dégoût avec ça. Je suis intransigeant là-dessus et je changerai pas, je pense. C'est partie des choses avec lesquelles je suis très très... À cheval, on va dire. Bon, allez, on se reconcentre. Se sentir complet. Intéressant cette notion aussi. Une partie, c'est toujours mieux que rien du tout, ce qui n'est pas faux. Sympa cette séquence. Ça fait partie des petits moments de calme, voilà, où il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'action, il n'y a rien, mais...
ça resserre les liens entre deux personnages et ça peut nous faire réfléchir aussi sur certains comportements qu'on peut avoir, notre façon d'être vis-à-vis des autres. Le truc c'est qu'elle a un peu trahi son escadron, donc sachant qu'elle a, elle s'est mise contre son escadron, c'est-à-dire tous ses poteaux entre guillemets, enfin ses camarades, je sais même pas si on peut dire ça, c'était des collègues en fait de boulot. Il y avait Eicht, le, comment il s'appelait, l'espèce de gros brut avec sa barbe, il y avait lui, il y avait l'espèce de Macron, il y avait Trotsky je crois, un truc comme ça, et en fait elle a décidé totalement de se barrer de sa mission et de nous aider, hein, à soulever le missile, hein, qu'elle allait s'écraser dans la ville de Nortune. Claire, je dis ça pour toi parce que t'as pas suivi la partie précédente. En fait, elle nous a vraiment sauvé la mise. Elle a empêché la destruction de toute la ville de Kislev. Parce qu'on était deux gears à retenir un gros missile et il était trop lourd. Et du coup, elle est venue pour essayer de déplacer le missile. Du coup, on l'a dévié. Ce qui a fait que le missile n'a pas éclaté dans le réacteur de Nortune. Ce qui a fait que. Il n'y a pas eu la grosse explosion prévue, hein. C'était une espèce de purge, hein, qui était prévue par... De toute façon, je veux pas dire de bêtises, mais je crois les anciens, même peut-être plus que ça, l'empereur, etc. Et la purge n'a pas eu lieu, c'est pour ça que les anciens tout à l'heure disaient que la purge a raté, tout simplement. Ce qui ne doit plus se reproduire, selon les anciens, et... Donc ils vont peut-être faire une autre tentative, très certainement même, mais... Ellie, en tout cas, voilà, pour revenir là-dessus, nous a sauvés, même pas que nous, hein, sauvé toute une ville entière, Nortune, et même plus, hein, des kilomètres à la ronde, là. On peut dire qu'elle a contribué à sauver des vies. C'est une forme de psychanalyse non clarie aux philosophies. Elle a un gear. Oui, tous les persos, du moins ceux qu'on contrôle, ont des gears. Elle a... Bon, son gear, il s'appelle Vierge. Je te l'accorde, c'est pas très glamour. Mais il est très fort, son gear. Moi, j'aime bien son design, hein, rose et blanc. Et elle a des attaques, c'est les aérodes. Même si on peut pas les utiliser, je pense que là, c'est lors du combat, parce qu'on a combattu contre elle. Elle était droguée, en fait, par un drive. Elle était plus elle-même, elle se reconnaissait plus. Et heureusement, on l'a battue. Et elle est retournée à la raison plus tard quand on l'a battue, là, elle nous a aidés. Mais son gear est quand même assez sympa. Ni l'un ni l'autre, Shiro, plutôt l'identification. Ah, ils l'ont classé apparemment dans une catégorie où les portées disparues. Comme si elle avait déserté, en gros, ils l'ont supprimé de leur escouade. Il y en a dans le jeu plus tard. Tu parles de la psychanalyse, Shiro? De la notion. Ah d'accord, bah il faut que je lise toutes les phrases. Des fois on m'écrit des trucs, je me pose la question et après je lis la suite et ah bah oui, en fait c'est ce que je disais. Ça c'est... C'est pas de l'attention, c'est de plus faire les choses dans l'ordre, voilà. Peut-être de manière générale, j'ai parfois des soucis d'organisation, voilà. C'est un de mes défauts. Je vais aller un peu plus vite que la musique. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être que l'impatience, ça fait aussi partie de mes défauts, donc... J'ai l'impression de mettre un peu la charrue avant les bœufs sur certains sujets. Pas tout, heureusement. Bref, on avance. Donc là, il a confort pour son avenir, enfin son futur, ce qu'elle va faire, parce qu'elle a trahi les siens, donc il essaye de la soutenir, ce qui est louable de sa part. Ouais, quand je disais réconforter, bah voilà. Il a dégueulé, c'est ça? Il a vomi. Les rations de survie étaient dégueulasses. Ah non, c'est un animal. Ah, c'est le poisson, en fait. Et il a vomi le poisson. Elle cherche du réconfort, clin d'œil. Ouais, c'est ça. Elle va en avoir du réconfort si elle veut. Pour moi, le poisson était archi dégueulasse. Oh le bâtard.
Il taille la cuisine du doc. Ça, c'est un coup bas. C'est ce que j'appelle un sacré coup bas. C'est pas gentil. Surtout que les absents ont toujours tort. Hein. Il est pas là pour constater. Bon, au moins, il les cache. Hein. Il dit que s'il se passe rien, ils vont crever. Hein? Elle a un truc? Un jour de plus. Tout sec en miettes. Ah, ferme-la, mange et puis ta gueule. Mec, il risque sa vie, tu sais. Ah, oh, mais c'est tout sec, vas-y, c'est des miettes. Ah, bah tiens, en plus, tu vois, il dit que c'est bon. Faut tester avant de dire que c'est pas bon. Les gamins, ils mangent pas les trucs. Ah, c'est dégueulasse, mais en fait, ils ont même pas mangé. Ah, je dis les gamins, mais même des plus adultes agissent de la même manière. On dirait à toi quand je te donne du pain. N'importe quoi. Ah putain, c'est exactement ça. Ton truc, ton pain, ta brique là, ton ciment là, émietté. Claire, elle est sympa, elle me dit, ah vas-y, il est encore mou, il est encore bon et tout. Elle me donne un truc, le pain c'est un bloc de béton, tu sais. Dégueulasse. Alors. C'est vrai que si elle les avait pas donnés, elle aurait peut-être survécu. Ah, je bouffe pas rien, dis pas des conneries. Je suis juste un peu difficile. Genre, j'aime pas les haricots verts, etc. Enfin, comme beaucoup de gens. Hein. Moi, j'aime ce qui est bon, qu'est-ce que tu veux? Elle pense qu'être égoïste au début, c'est pas grave. Et petit à petit, tu découvres ton bonheur. Et un jour, tu partages. Et moi, je pense que même au début, il y en a qui sont tellement généreux qu'ils peuvent partager à des inconnus. Enfin, je sais pas, quand tu vas voir un SDF dans la rue et que tu lui donnes un truc, c'est pas parce qu'au début, tu le connais pas ou quoi que ce soit que tu peux pas avoir de l'empathie pour lui et ne pas partager, ne pas... Bah, je suis désolé, je pense pas trop comme Ellie, là. Peut-être que Faye va la contredire, je sais pas. Un peu difficile. Peut-être. Si elle dit deux fois que c'est son imagination, je pense pas que ça soit son imagination. Ils ont dû déjà se rencontrer par le passé. C'est peut-être avant que Faye perde la mémoire. Faye, il était amnésique, hein, dès le début, il a oublié plein de trucs. Ce qui expliquerait que... Il y a peut-être des souvenirs enfouis où Ellie avait déjà rencontré Faye. Peut-être dans un autre endroit ou sous une autre forme, j'en sais rien, peu importe. Mais je suis persuadé que c'est arrivé. Putain, elle pète la forme pour sauter aussi bien hors du truc là. Ah merde, qu'est-ce qui se passe? Le retour de Graf? Ou un requin? Ou. Je sais pas. Un gros monstre, un poulpe qui va attaquer le vaisseau. Oh putain, non, c'est un bateau. C'est des pirates. On est dans la merde si c'est des pirates. Oh putain, ils ont un gros grappin à tous les coups, c'est des pirates. Des chasseurs de trésors ou un truc comme ça. Ah, la musique est cool, on écoute. Ah merde, ils nous ont pêchés. Enfin merde. Ils vont peut-être nous aider. Hein. On n'a pas trop le choix en même temps si on veut vivre. Heureusement qu'ils sont tombés sur nous finalement. Espérant qu'ils ne nous dépouillent pas. Ah le ta...
Le Tamès, j'ai déjà vu ce nom quelque part précédemment dans le live, je crois qu'ils en ont parlé. Tamès. Ah, c'est pas les anciens qu'on en parlait dans la cinématique. Ça se trouve, les anciens ont envoyé ça pour nous niquer. Je ne sais pas. Je vais très loin, ça se trouve. Je vais beaucoup trop loin dans mes hypothèses. La cité des mers. Ah. Et en dessous les mers, ils avaient parlé d'une ville. Oh merde, j'ai oublié. Ils parlaient d'un truc sous les mers, je sais pas ce qu'il y avait. Je sais plus ce qu'il y avait. C'est pas les trucs. Les reliques animales, hein, elles sont pas sous les mers. L'excavation, il parlait d'une excavation, je sais pas. Enfin bref, on verra plus tard. C'est compliqué, hein. De toute façon, le scénario est quand même compliqué. On va rencontrer le capitaine. Ok, ils ont gardé nos gears, c'est ça. C'est au moins ça. Donc le capitaine a donné les ordres. Il ressemble tellement à Franz, celui. Un petit tour sur le vaisseau. Et allez, après on va aller sur le pont. Ok, on va visiter. J'aime bien la musique. Elle a déjà vu ce type. Un fanboy. Je suis un homme. De la mer. Où je m'entraîne. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il fait chaud. Ok, il dit la même chose. Oula, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah d'accord, c'est comme la map de la ville où tu peux voir les différents points. J'étais où là? J'étais marchand d'armes et armure. J'étais où là? Réserve. Pourquoi vous courez partout? Vous êtes perdu, hein? Oui. Ok. Ça c'est le pont. Donc c'est où on doit aller, mais d'abord on va visiter le. On va visiter le vaisseau. Ok. Ça c'est l'entrée de l'ascenseur, elle vous permet d'accéder à la passerelle de commandement. Ok. Commandement, ok. L'entrée des réserves. Aussi un vendeur pour Gears. Ah cool, allez. Ok, dégagé, merci. Sympa. Ah, il y a un petit effet quand même de l'eau hein, autour du vaisseau. Avec les grappins, ah j'aime bien. C'est stylé, on va aller derrière. Pourquoi vous courez partout, vous êtes perdu? Ah bah non, c'est bon, on connaît maintenant. Bouge de là, tête à claque. Est-ce qu'ils nous disent tout? Ah non. Ah du coup, l'autre est... Avant d'y aller, il faut que je m'échauffe un peu. Ah oh, ah oh. Bon, on va où? Est-ce qu'on va à la réserve? On va essayer d'acheter des trucs. Ouais. Vous en pensez quoi pour l'instant? Bon, Shiro, je sais que t'adores le jeu, mais Clary, dis-moi ce que t'en penses. L'entrée de la réserve. Ah, c'est de la récupération comme dans Xenoblade 2. La comparaison. Premier gros emploi. Ramener des choses, quelque chose d'énorme. Faut pas faire de blague. Alors, hop. Est-ce que je peux monter sur le bidule? Ah ouais, je peux. Excellent. Excellent. Oh. Un coffre. J'ai vu un coffre. Sapristi. Sapristi, j'ai vu un coffre. Merde, je suis tombé. Quel con. Je suis tombé. Ah merde, il dégueule. Ah.
toujours en train de boire. Ah, c'est parce qu'il boit, c'est pour ça. Ok. Putain, il est là le coffre. Ah, il bouge, d'accord. Est-ce que je peux le choper? Ouais, montre-moi. Quoi? Un combat? Tu pensais que j'allais te combattre? Get real and be the fast this game. The card game for men of the sea. Quoi cette merde? J'explique les règles. Premièrement, je vous distribue 16 cartes à chacun. Ça a l'air cool comme jeu, après j'avoue que je suis qu'à moitié. Bon, tant pis. Je vous distribue 16 cartes. Ensuite, je place 4 cartes devant chaque joueur. Attends, je départ. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Une autre carte sur la gauche. À partir de là, le jeu peut démarrer. Vous devez placer vos 4 premières cartes ainsi que les suivantes sur les cartes centrales plus vite que votre adversaire. Bien sûr, il y a des règles pour poser ces cartes. Placez une carte sur une autre selon un ordre numérique comme un chiffre au-dessus. Parce qu'il y a un 3 donc vous pouvez jouer un 4. Et... ou un chiffre en dessous. Ah, ok. Ok, ok. J'ai jamais rien compris. Mais si les chiffres ne sont pas dans l'ordre, vous ne pouvez placer la carte. Mais s'il y a un K 13, what the fuck, vous pouvez jouer un A 1. Oula, ça j'ai rien compris par contre. S'il y a un K 13, mais c'est des F, H, I. A, B, C, D, F, G, H, I, J. K, c'est 11, la lettre 11. Un K, 13. Ah non, roi. Roi, 13, As. Le K, c'est King. K, c'est King, donc le... on peut placer un As sur le roi. Et l'inverse. Ah, ok, d'accord. Je crois que j'ai compris. Comment contrôler les cartes? Premièrement, pour placer une carte de votre jeu sur un emplacement vide... ah bon, on peut gagner des trucs. Attends, je finis juste. J'aimerais me barrer, mais je peux pas. Carré, triangle. Mm-hmm. Triangle ouvert 1. Carré. Ok. Ok. On va essayer de gagner. Bon, je le fais une fois et après je me barre. Bon, c'est bon, on peut jouer. Je crois que j'ai compris. C'est compliqué, putain. Ok. Ok, à toute, Clary. Je crois que j'ai capté. Il va beaucoup trop vite. Je peux plus jouer. Je peux plus jouer. Je peux plus jouer. Ah d'accord, je remets des cartes. Ok.
compliqué. Putain, oh, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Là, je peux pas jouer là. Putain, il va trop vite lui. Quel bâtard. Putain. Je peux plus jouer. Ah si, si là. Je peux plus jouer. Ah, j'ai gagné. Non, on a gagné en même temps. Compris. Ça ira pour aujourd'hui. Quoi? Mais va te faire foutre, j'ai gagné ou pas? Quel connard. C'est de la merde. Attends. Oh merde. Il y avait un... Ah bah tiens. Coffre. Un serpent whip. Ok. Tu veux. Un client. Est-ce que je peux acheter des trucs? Ah non, j'ai déjà tout au max. Je pense que j'ai tout au max. De toute façon, j'ai plus de fric. On se casse. Ah mais il y a un truc à faire, attends. C'est le concours de Tub. Je trouve un plus gros que toi. Ils sont trop cons. Ok. Bon, faut aller où là? Rien à faire, on va descendre. Je pense que j'ai raté des coffres, mais bon, on s'en fout. Hop. 4 coffres dans le coin. Ah, putain. Ah, du coup, je vais me faire une sauvegarde. Vous pensez qu'il aura un trésor? T'es sérieux? Ouais, je pensais. Là, je vais sauvegarder. Hop, save. On va faire une autre save. Comme ça, je reviendrai ici pour choper les trésors. On verra. Bon, en attendant, je me barre. Monter, se barrer, ouais, on se casse. Parti. T'es mort, Shiro? Alors, faut que j'aille au pont, je crois. Mais avant d'aller au pont, on va aller checker ce qu'il y a ici. Et on va checker ce qu'il y a après. Oula, il est bourré, lui, qu'est-ce qu'il a? Je suis malade, s'il vous plaît, le faites pas tourner, le faites pas... Ah, qu'est-ce qu'on va faire, à votre avis? En tant que bon connard qu'on est. Où allez-vous? 4F. Halle de la bière. On est où là? Attends. Pont. Ah non, pont c'est là. 2F. Allez, 2F. Va tourner. Attaquer de barrer d'ici. Pourquoi le mec il reste là s'il a peur de gerber? Énorme. Oulala, on commence à se perdre. Oh là là, c'est ultra grand ici. Je suis bien bourré. Ils sont tous bourrés ici. Quelque chose avec ce vieil ivrogne. J'adore. Je suis le maître. Le grand maître. Le maître du Tamès. Le poivre minable. Énorme. Est-ce que vous m'écoutez? Ils sont tous complètement torchés. Ah, on va en bas là, ce qui se passe sur le pont, yes. Je mourrais pour un verre de cette gnole.
Putain, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, bordel? Rien de meilleur qu'un verre après le boulot. On peut boire un peu de bière, non? Je sais pas le boire. Ah, on peut pas picoler, dommage. C'est stylé ici, hein. Et... pied boueux. Ah, une gamine ou un gamin. What? Je suis monté sur le truc direct. J'ai un bon remède pour arrêter de boire. Menthe sol, on a déjà des menthe sol, mais merci, c'est gentil. Alors, on vient de la droite. Je save. Faire une save d'émulateur. On va aller par là pour voir. Ah, mais on retourne au... Mais non, je voulais aller au truc, là. Halle de la bière. C'est là d'où je viens ? Mais si. Et du coup, c'était quoi de l'autre côté? Bizarre. Vous pouvez parler aux autres zones du Tamès avec cet intercom. Putain, ils cherchent le bar. Ils sont tous rebous. Tour de Babel. Ah, c'est connu, ça. Là, c'est le capitaine, lui. Hans. Ah, mais c'est comme Franz. C'est quoi? C'est le frère de Franz? C'est qui? Premier officier. 31. Chaîne blanc, mec. On comptait pas le prendre, t'inquiète. Ah bah tiens, capitaine. Il a bien piffé. C'est un chien en fait humain le truc ou quoi? Je mords pas. Je suis un homme de la mer. Pour ça que t'es gentil, c'est ça? Capitaine, on dirait un chien, ouais, c'est ce que je viens de dire. Ouais, synchro. En plus il dit je mords pas. Ah, il nous apporte de la bouffe. C'est un bon capitaine, ça. Envoyé au moment où tu l'as dit. Ouais, j'ai vu ça. Allez, la bouffe, s'il te plaît, on a faim. Dépêche-toi. Ok. Sympa, cette zone. Bon, pour l'instant, c'est que des dialogues, mais il faut varier de temps en temps, pas que des combats, hein. Ça serait chiant sinon. Moi, j'aime bien. Il y a une bonne ambiance. Ah, on peut pas voir dans le télescope, là, dommage. J'aurais bien aimé. J'imagine que si les développeurs avaient eu plus de temps pour faire le jeu, il y aurait eu encore plus de détails dans les environnements. Si jamais ils font un remake un jour, ce que j'espère, bon, ça risque d'être compliqué, mais on sait jamais, bah, qu'ils rajoutent des petits détails, par exemple, regarder dans le télescope, ou... On me dirait que ça sert à rien, mais encore une fois, les petits détails, moi ça fait beaucoup pour moi, ça augmente l'immersion, je l'avais déjà dit plusieurs fois. Donc je viens d'ici, je peux aller là du coup. Ah bah toi, tu vois jamais de combat parce que tu viens au mauvais moment, c'est ça. S'il vous plaît, le faites pas tourner. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez hop. Halle de la bière, commandement. Mais on est déjà au commandement. Du coup, on va faire entrée réserve. Ah non, il était tout à l'heure, donc K. B2F, K, je sais plus ce que c'est. Va tourner. Pourquoi il vibrait le truc? Tu parles de quoi là? Tu parles de quoi, Clary? B2F, je sais pas où on est. On va le checker par là. Ah, on peut pas se suicider, on peut pas sauter. C'est quoi ce bruit? Ils sont en train de faire des travaux, quoi. Bon, ce cas... Ah non, énorme! C'est quand on est dessus, ça bouge. C'est quand on marche, le... Et... Avec les fils, ça fait... Ça ballotte. Oh, c'est énorme. Le souci du détail, ça, j'adore, je veux le dire. Et donc là, quand on se met à côté, le truc, il arrête.
Ok. Quand tu étais dans le bar, dans l'alcôve, on te braille. Je sais pas de quoi tu parles vraiment. Alors du coup, commandement... Le truc des jumelles. Attends, tu me poses là une quoi là, je vais vite fait aller voir. Je vais aller voir, sachant que le commandant, il était censé nous faire de la bouffe et nous amène rien. Je sais pas ce qu'il branle. Le truc de la jumelle. Ah ça oui, c'est une machine, je sais pas ce que c'est. C'est quoi, c'est un moteur, j'imagine. Je peux pas rien faire avec. J'imagine que c'est un moteur, hein. Je sais pas, un chauffage ou une connerie comme ça. Je sais pas, faut avoir un peu d'imagination. Franchement j'en sais rien. Alors, parce que du coup j'ai un peu tout checké, je pense à part les deux coffres que j'ai pas eu tout à l'heure. On va aller sur le pont. Alors le pont, je crois que c'est ça, mais de toute façon, ouais, on n'a pas le choix. C'est le seul endroit où je suis pas allé. Enfin si, j'y suis déjà allé sur le pont, mais il faut aller à l'avant du pont, et donc c'est ici. C'est, voilà, marchand d'armes et d'armure. Je suis pas allé là. Je pensais qu'il y avait un truc à faire, non. Ah mais marchand d'armes, j'y suis déjà allé tout à l'heure. Sauf que j'ai pas parlé à tout le monde. Shiro il est mort. Il joue à Smash Bros. Ou alors à Xenoblade 2. Ah, on peut acheter des trucs. Mon idiot de fils, il est où? Hein? Je vais cliquer sur un truc. C'est quoi? C'est une hélice? Qu'est-ce qu'il fait? Il a flippé. Il a eu peur de son truc. Ah merde, c'est pas à vendre. Ah, parce qu'il pensait que ça marchait plus, et il était surpris que ça marche. The fuck. Je ferme des cristaux de cœur. Ah, ok. Il joue avec Xeno 2, donc. Claire, tu peux pas savoir. Je trouve plus de lames rares. Ah bah non, il faut les cristaux légendaires si tu veux avoir des lames. Et les cristaux légendaires se chopent, je sais pas si tu es au courant ou... Je peux te le dire. Alors on va acheter des trucs, y'a quoi ça là? Acheter ça. Ça on va en acheter 3. Non les 5. Oula, j'ai plus hors de fric. Quoique si. Ok. Les Omega Sol. Ah ça c'est bien ça. Je vais en prendre 2. On va faire ça. Il se trouve où les légendaires? Apparemment, je suis pas encore là. C'est quand tu sais, tu donnes de la bouffe à l'espèce de bestiole à côté d'une certaine ville, d'une des premières villes du jeu. Tu sais, t'as une grosse bestiole que tu dois nourrir dans une quête secondaire. Et cette bestiole, elle grandit quand tu lui donnes de la bouffe. Et quand elle a grandi au maximum, level, je sais pas combien, 99, enfin, ce que j'ai compris, c'est quand elle sera au level. Et bah, quand tu vas la buter en série, tu reviendras pour la buter, je crois qu'elle, de ce que j'ai compris, elle va te farmer des cœurs, des cristaux légendaires. Donc ça va te permettre d'avoir des lames beaucoup plus facilement. Ok. Hop. La bestiole en question, c'est le gros, l'espèce d'éléphant. Ouais. Et je pense que t'as pas encore toute la bouffe à lui donner pour qu'il évolue au max. Mais c'est lui qui farme les cristaux légendaires, si j'ai bien compris. Enfin, c'est une des façons de les avoir. Pourquoi je suis minable? De rien. Pourquoi tu parles? Il est que level 40. Ah bah non, 40 c'est pas encore le max. Moi, j'en suis aussi avec 40, je crois. Queenie, c'est qui Queenie? Attends, eux on leur a déjà parlé. Pas quelqu'un d'autre. Alors faut aller où du coup? J'ai loupé un truc. Est-ce qu'il faut retourner aller voir le commandant? Je pense qu'on a raté un truc. On a dû rater un truc. Mais elle est où la commande là? J'arrive pas. Ah d'accord, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on est allé sur le quai? Je crois que oui. On va retourner au quai, tiens.
sympa, les petits effets, l'ascenseur comme ça. J'aime beaucoup. Ah mais non, le cache, je suis con, y'a rien. Y'a rien ici. Bordel. Putain, faut aller où? Entrée réserve. Ah, j'ai pas tout checké, on va essayer de choper les coffres, tiens. Alors, comment je peux choper les coffres? J'en ai loupé au moins deux, je pense. Ah, je lui ai pas parlé à lui. Ah, si, je lui ai déjà parlé. On s'en fout de ce qu'il nous donne. Ah, mais ça, il faut y aller en sautant. Donc, pour sauter, il faut aller là. Ensuite, là. Ensuite, là. Comment je peux aller là-dessus, là? Ah, peut-être de là-haut. Ah, c'est ça. C'est ça, faut pas que je tombe, en fait. Hop, vite. Non, merde, quel con. Quel con, putain. En vrai, d'ici 5 minutes, ça serait le parfait moment pour arrêter. Ouais. Surtout que c'est minuit. Ouais, je vais juste choper les coffres, là. J'aimerais bien réussir. Hop. Ego Voc, ouais. On va faire un petit vocal. Je vais choper ça. Oula. Ouais, je suis bien placé, je pense. Pour avoir le coffre. Ah, je l'ai eu. J'ai eu de la chance. Lunar Road. 3 Hawk. Ah, il me faut encore un... Attends. Et du coup, si je vais là-dessus, je crois que... Je peux monter, peut-être. C'est pas là où il y a le coffre qui arrive. Un petit débrief, ouais, mais attends. C'est pas par là qu'il passe le... Je te rappelle juste que derrière, dernière scène officielle, c'était avant la scène... Et... Ah ouais, putain. Je retrouve un... Un bidule. Ah, c'est là. Oh le bâtard. Ah non, il faut que je monte là-dessus. Comment faire pour monter là-dessus? Ils veulent pas que je monte sur le machin, là. Attends, comment je vais faire? Je vais passer par là. Passer de l'autre côté. Hop. Oh merde, connard. À mon avis, le dernier coffre, ça va être le plus dur à avoir, c'est tout le temps ça. Hop. Comment tu veux que je passe là? Mais putain, c'est pas possible. Il s'arrête où le truc? Il s'arrête là. Si je tombe ici, et après je saute. Ah, je peux pas sauter de là. Mais cette merde. J'imagine que tu sais pas comment choper le coffre, Shiro. Tu as tout oublié, je sais, toi aussi tu as Alzheimer. Oh, oh le bâtard. Putain. Tu as tout compris, Clary. Et putain. Oh, on tombe là. On va pas tomber. On glisse comme une merde. C'est pas normal. Bon, comment on le chauffe ce truc de merde là? Est-ce qu'il y a deux côtés là? Est-ce que je le chope par là ou... C'est de la plateforme un peu pourrie, mais si tu veux... Oh, c'est tellement de la merde. Ah, dis-moi comment on le chope, ça ira plus vite. Hein. J'ai la flemme de perdre du temps. Je peux pas monter là-haut. Hein.
Saloperie. Ouais, c'est juste que c'est très mal foutu, hein. C'est pas une question de niveau, c'est... Travaille comment j'ai galéré pour les tuyaux, là. Je déteste la plateforme 3D, en plus dégueulasse quand t'as une caméra qui est pas ouf comme ça. Mais si j'attends là, normalement ça va le faire. C'est de la plateforme de merde. Et pourquoi il me laisse pas monter sur le truc en bas là? La merde, putain de la merde! Puis il va même pas me laisser jouer au stick. Attends, je vais dans la config. Controllers. C'est quoi ce truc? Ok, essayer de jouer comme ça. Non, je peux pas. Oh, la plateforme pourrie. Mais c'est impossible, comment tu veux passer? C'est de la merde. Je peux pas monter sur sa tête là? Au petit. Oh là 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 là, c'est tellement de la merde, va pas me dire que c'est bien fait ça, sérieusement. Comment tu veux le choper le dernier coffre? Tu peux pas passer là. Non, pas tant pis, non. Non, non, pas tant pis. Dis-moi comment on le chope, ou alors là, je vais regarder sur internet, je sais pas, mais c'est de la merde. C'est de la grosse merde. T'es enculé. Ah, vas-y, le petit, il peut pas bouger que je monte sur sa tête là. C'est vrai que j'y étais là. Mais j'y étais, regarde là. Faut faire quoi? Attends que je trouve pas, je me casse pas, j'en ai rien à foutre. Si on doit passer les 3 prochaines heures du live, là-dessus je le fais. Je vais la regarder sur Google. Vas-y. And welcome back. This is Bob. Trouve-moi ton coffre pourri, il est où? Je regarde, hein. Comment on chauffe ce putain de coffre? Quoi? Attends, comment ils ont chopé ce coffre? Faut que t'arrives, que tu montes sur un truc, que tu tombes. Peut-être des escaliers et après t'y vas. Ok, on va essayer.
Tant pis pour le coffre, non, je vais te checker avant de te faire spoiler connement. Merci d'enfin essayer de m'aider, putain. Parce que tu me connais, je suis perse. Tu sais comment je suis. Ça sert à rien de me dire de regarder autre chose. Déjà que je l'ai fait l'autre fois pour le coup de la grue, je vais passer bon quoi. Arrêtez les conneries deux secondes. Apparemment c'est là, tu tombes là. T'y vas. Là il y a un coffre là normalement. C'est là. Un dé circuit reçu. Là j'ai eu tous les coffres, c'est bon. J'aime bien de voir souffrir, espèce d'enfoiré. Mais du coup l'autre coffre qui était en l'air on pouvait pas l'attraper. J'ai eu les 4. Il y a 4 coffres. Je les ai eu. C'est bon là. J'ai eu les 4. Tu dis ça pour que je me barre. Ah merde, j'aurais dû dire c'est pas un boulot important, oui. 5 ok. Pourquoi 5 ok? Allez, raconte ton histoire. Bon, on se casse après, t'inquiète. Ça fait quasiment 3 heures. Ouais, c'est tout. Les grues sont cool. Ok. Bon, on se casse. Faut aller où du coup? Parce que l'autre il devait nous faire de la bouffe. Là. Non, j'aimerais bien savoir où je vais d'abord. Et après, on arrête, Shiro. Il reste 5 minutes avant d'atteindre les 3 heures. Je veux trouver là. Parce que je vais pas mettre une heure à trouver où faut aller en fait. Lors du prochain live. Essayer de checker là s'il y a pas un truc. On va retourner voir les commandants là, les bidules chouettes. Commandement. Vivawal où tout le monde était bourré. C'est, tu veux dire le machin des bières. Parce qu'ils sont bourrés partout donc ça m'aide pas ce que tu dis. Tu veux dire le truc à bière là. Attends, là je peux monter. Ah, c'est... on devait pas se faire servir de la bouffe quelque part. Ah, c'est là, ok. Bon, on s'arrête là du coup, voilà, le capitaine il nous attend. Bon, on s'arrête. Je vais y aller, mon ordi souffle fort. Bah, je vais essayer de le réparer demain. Oublie pas de le ramener demain, je t'enverrai un SMS clair. Clary, putain. Désolé, tout le monde sait que tu t'appelles comme ça. Oublie pas de le ramener demain. Allez, bonne nuit. Par SMS, on se coule. Allez, bah merci d'être passé, c'était très sympa en tout cas. Moi j'aime bien cette partie, le jeu augmente en intérêt, je trouve. Enfin, il ne cesse de me surprendre, on va dire. La save officielle. Je la fais en off, t'inquiète, juste après le... Ah bah non, attends, on finit le discours. Alors, on finit le discours. Ah bah non, il va y avoir peut-être une grosse cinématique. Pas de place pour s'asseoir. Est-ce qu'il parle beaucoup? Parce que je vais le faire juste après la parlotte. Le bar à la fierté du Tamès, vous pensez sans doute. Ok. Moi j'aime bien, j'aimerais bien y aller dans son truc, mais tout le monde est bourré, c'est ça le problème. Les vagues de l'anxiété. Ok. Bon, je pense qu'il va beaucoup parler. Des récupérateurs. Comme vous avez le 2. J'ai 32 save states, je crois. Donc t'inquiète. Trésor enfoui, mais j'aimerais bien save, mais le problème c'est que là on est pris dans un script, on peut plus en sortir. C'est pas l'église veut pas chercher l'omni-gear, il parlait d'un omni-gear, un gear super puissant, genre il est pas caché au fond des mers ou une connerie comme ça, j'en sais rien.
Peut-être ça le trésor enfoui. On ne peut pas refuser. Bon, est-ce qu'on peut sauvegarder après la bouffe? Bon, bah écoutez, on s'arrête là. On s'arrête là, on verra plus tard. Donc je fais confiance au save, sinon je referai tout en off de mon côté si jamais on a un problème. On va save ici. Save 31. On va même faire une save 32. Voilà. Voilà, jusqu'ici ça a marché, hein. Donc voilà, en espérant. La suite au prochain live, merci d'être passé, c'est très, très sympa, en vocal, Chiro juste après, et Clary par SMS. Allez, des bisous, merci d'être passé, c'était très sympa, et à la prochaine. Au revoir.